Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes sur Nuria TV et je suis très heureux de vous retrouver ce soir, les Nuréens, pour une émission qui n'est pas en direct. Nous l'avons enregistrée quelques jours avant sa diffusion. Ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Annaëlle Parks et nous allons nous intéresser à une figure tout aussi fascinante qu'effrayante. Nous allons revenir aux origines du mythe du loup-garou. Bonsoir Annaëlle, je suis très très contente de te retrouver sur notre antenne. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Bonsoir Guillaume, c'est moi qui suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va s'intéresser à un sujet, je pense que peu de gens t'attendaient sur ce registre-là. Je pense que nombreux sont ceux qui vont être surpris par la manière dont tu abordes ce thème des loups-garous. Mais avant cela, on va prendre quelques instants pour représenter tes travaux, dire qui tu es, parce qu'il y a certainement de nouveaux Nuréens qui arrivent sur la plateforme et qui se disent « Tiens, Annaëlle Parks, qui est cette dame? De quoi va-t-elle nous parler ?» Eh bien, on va vous donner les clés avant de développer cette conférence pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc Annaëlle, je rappelle, tu es auteure, chercheuse indépendante, également intuitive. Tu es l'épouse d'Anton Parks. Pour ceux qui connaissent peut-être ses écrits et ses travaux, tous les deux, vous avez des visions sur des mondes antédiluviens, qui remontent aux origines de l'humanité, si je puis dire. Et en parallèle de ces visions et de ces intuitions que tu retranscris dans des ouvrages, notamment une trilogie, je vous invite à découvrir ces trois ouvrages qui, eux, retracent tes visions, mais de manière textuelle. Je rappellerai jamais assez, puisque j'ai mis longtemps à le comprendre, que tout ceci n'était pas romancé, mais retranscrit tel quel par rapport à ce que toi, tu avais perçu. Et puis en parallèle de ça, il y a un travail de chercheuse indépendante. On remonte dans l'histoire ancienne, sur des civilisations qui nous ont précédés. Là aussi, il y a plusieurs ouvrages. Il y a Silphium, dont on avait parlé ensemble sur Nura TV. Et puis il y a ce livre, très très important, La déesse cachée et l'arbre de vie, qui va nous fournir une partie du contenu qu'on va découvrir ce soir. Est-ce que là aussi, tu peux nous dire quelques mots sur cet ouvrage? Tout à fait, merci Guillaume. La déesse cachée, c'est un ouvrage qui avait pour but de remonter aux origines de la spiritualité humaine et d'arriver à faire émerger les croyances les plus anciennes. On parle absolument pas de travail de vision, quoi que ce soit. Dans ce contexte-là, ça s'inscrit dans un travail de recherche qui est basé sur des faits, sur des éléments, notamment des éléments que je suis allée puiser chez d'autres chercheurs, des chercheurs du siècle passé notamment, qui ont été oubliés ou relégués aux oubliettes. Et mis en perspective, tous ces travaux font émerger vraiment l'importance et l'influence d'anciens cultes, notamment centrés autour d'une ancienne déesse, qui ont été oubliés et qui pourtant encore aujourd'hui influencent notre vision de la spiritualité. J'aimerais également prendre le temps de rebondir sur le fait que le contenu de cette émission, qui est en partie, se retrouve donc dans La déesse cachée. C'est également des éléments que vous allez retrouver plus tard lors de la publication du fameux En fait, la suite d'Éden, qui s'appellera La chute d'Éden par Anton Parks. Une grande partie des éléments que vous retrouvez dans cette émission en avant-première sont des éléments que vous trouverez par la suite synthétisés, mais sous une autre forme, bien entendu, dans l'ouvrage La chute d'Éden, qui fait suite à Éden, une des œuvres majeures d'Anton Parks. À découvrir. Alors là, il y a une grosse bibliographie du côté d'Anton aussi. La tienne commence à être assez épaisse également, je tiens à le préciser, et de qualité. Ce soir, ce thème du loup-garou, alors les gens ont vu ce titre d'émission, cette affiche avec le loup-garou. On s'imagine tous, encore une fois, l'image d'Épinal derrière le loup-garou, les histoires effrayantes qu'on a pu découvrir à droite à gauche, qui, je n'en doute pas, n'en sont pas moins réelles. Sur Nura TV, on a déjà parlé notamment du Dogman, qui se rapproche de cette thématique du loup-garou. Il y a des gens qui vivent des rencontres, des phénomènes étranges en lien avec cette image du loup-garou. Ce soir, on va l'aborder d'un point de vue historique et voir justement quelle est la place de cette image du loup-garou dans ces cultes préhistoriques que tu nous décris dans La déesse cachée. Tout à fait, c'est une émission qui a pour but de vous présenter les racines
historique, si on peut dire, du loup-garou, et on se déconnecte totalement à la fois, on va dire, des phénomènes de légende urbaine. Je ne suis pas là pour commenter ce type de phénomène, il faudrait au cas par cas et peut-être une vie pour chacun des cas fascinants qu'on peut rencontrer, mais on n'est pas également dans une approche médicale, puisque on sait que la lycanthropie, elle est aussi considérée comme une maladie ou peut être associée à certaines maladies mentales. On n'est pas du tout dans cette approche-là. Dans le contexte de cette émission, on est là pour parler d'archéologie, de mythologie et d'origine des mythes. On est aussi dans une perspective où on essaie de réfléchir sur le fait de est-ce que la religion a été déconnectée de la réalité? Est-ce que tous ces cultes, ils avaient une visée naturaliste ou est-ce qu'ils étaient purement symbolistes? Est-ce qu'ils étaient arbitraires? Est-ce qu'ils se sont inscrits, pardon, dans une réalité pratiquée par des peuples? Et on va découvrir que les loups-garous, loin d'être seulement une figure d'épouvantail, quelque chose qui fait peur, qui sert à créer des récits effrayants, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Eh bien, si tu veux bien, Naël, moi je vais te laisser démarrer cette présentation, puis j'essaierai d'intervenir à bon escient si c'est nécessaire. Je te laisse les rênes de cette vidéo. C'est parti, aux origines du loup-garou. Merci Guillaume. Ce que j'aimerais vraiment préciser en tout préambule, c'est rappeler qu'on a vraiment cette idée de loup-garou qui est juste le moteur d'une histoire effrayante. On le retrouve dans des livres, on le retrouve dans des ouvrages et des vidéos qui sont là pour nous faire croire qu'il y a quelque chose d'effrayant, de sauvage, qui est sur le point de déchiqueter le gentil héros. Là, on va voir qu'en réalité, le loup-garou, c'est un initié. Le loup-garou, il est au cœur de la préservation de l'équilibre de la nature. C'est pas du tout juste quelque chose d'effrayant. On a aussi cette idée que le loup-garou, c'est quelque chose d'exclusivement masculin, qui est attaché à l'énergie masculine, quelque chose de très viril, de très primal. On va découvrir ensemble que de nombreuses traditions, même si on va pas les approfondir une à une ce soir, sont liées au fait qu'il y a des hommes et des femmes au cœur de ce type de mythe, donc ça n'a rien à voir avec exclusivement l'énergie masculine ou un côté très très viril, très macho, qu'on aurait pourtant tendance à projeter là-dessus. Il y a aussi une ambivalence autour de la question du loup-garou. Est-ce qu'il est volontaire ou est-ce qu'il est maudit? Est-ce qu'il est conscient de sa mission ou est-ce que c'est quelque chose de viscéral? On va découvrir ensemble qu'en fait, aux origines, il s'agissait d'une mission bien sûr volontaire, d'une mission même d'intérêt général, qui très progressivement s'est transformée en fatalité. C'est très juste ce que tu dis. Je me rends compte qu'on n'a jamais entendu parler de louve-garou dans la tradition populaire. Donc, c'est bien de rappeler aussi que ça concernait tout aussi bien les hommes que les femmes. C'est vrai parce que ce qui nous est parvenu aujourd'hui, tant dans la littérature, là je vous propose quelques exemples, on va dire archétypaux, tant au niveau du cinéma, on a cette représentation de l'imagerie virile, voire étonnamment quelquefois même nationaliste. On a des thématiques comme ça qui se sont agrégées autour de la figure du loup-garou, alors qu'à la base, c'est vraiment pas le sujet. On a en fait, je pense, les reliques à travers cette perception qui est très biaisée de cette persécution qui a été menée par l'Église à l'encontre des cultes pré-païens, parce que là, on se situe même pas dans les reliques d'un culte païen, on est avant le paganisme. On est donc dans un culte qui prend racine à la préhistoire. Et rassurez-vous, pour ceux qui sont surpris par ce type d'assertion, on va avoir énormément d'éléments sur lesquels appuyer cette proposition qui est quand même, je sais, assez radicale. Parce que ce qui nous est parvenu et ce qui a servi à faire tous les films d'horreur qu'on a pu voir ou tous les livres un peu classiques qu'on a consultés là-dessus, on est sur l'idée qu'il y a des gens maudits qui se transforment en bêtes terribles et qui commettent des meurtres innommables. Donc on est vraiment dans une image classique de la transgression et il n'y aurait même pas besoin du loup-garou, ça pourrait se substituer, ce type de monstre, à n'importe quoi. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le relais qu'il y a dans l'imagerie des super-héros et compagnie, de la réappropriation du loup-garou. Qui fait partie de cette imagerie-là des super-héros ou des super-vilains, ça pourrait être n'importe quoi. Il faut comprendre qu'à la base, c'est très codifié. Le culte des loups-garous, c'est pas du tout quelque chose de simple qui est là pour vous dire on a de l'animal et du sauvage en nous et parfois cette sauvagerie s'exprime en dehors des limites sociales. Ça va beaucoup plus loin. Cette perception, elle n'est liée qu'à la persécution de l'Église et très particulièrement dans le contexte de l'Inquisition, puisqu'il y a une volonté de démanteler par l'Inquisition non seulement bien sûr d'anciennes religions, on est tous d'accord, mais au-delà de ça, des organisations sociales. Moi, c'est un aspect là, je suis pas la seule à avoir évoqué ce type de théorie, je pense notamment à Sorcière de Mona Chollet qui travaille énormément sur les conséquences sociales du démantèlement de ce qu'on appelait les coven ou les sorcières, etc. On n'est pas seulement dans le fait de persécuter une idée, il y a une volonté à travers l'Inquisition de détruire un ancien équilibre économique et des relations humaines. Et à partir du moment où on attaque ça, il y a tout le ferment, toute l'histoire, toute la mémoire qui s'en va. Et c'est pour ça qu'il y a cette amnésie collective qui s'est opérée et la réduction de la perception du symbole du loup-garou à un simple être bestial qui commet des crimes.
Eh ben, on va tenter ce soir de nous ramener un peu de mémoire de ces temps anciens, de ces pratiques et de ces modes de vie. Ce loup-garou, on le retrouve déjà dans la littérature. Là, tu nous as sélectionné quelques couvertures de livres. Pareil, je te laisse nous en dire quelques mots. Alors, le livre des loups-garous, c'est vraiment celui qui est tout à gauche, l'image d'Épinal de la crise d'amnésie qui commence à se faire au 19e avec une tentative par les folkloristes et les mythologues, déjà à l'époque, de reconstituer la véracité de ce mythe et d'arriver à comprendre pourquoi encore dans les campagnes, il y a des juges qui sont régulièrement sollicités, et ce jusque dans les années 40 en France en tout cas, pour des crimes perpétrés par des supposés loups-garous. Il y a des jugements qui sont rendus à ce chef-là, il y a quand même des choses assez spécifiques. Là, ce livre-là dont je vous parle, on est uniquement centré sur le 19e. Par contre, si vous vous renseignez en France, effectivement, on a encore des chefs d'accusation ou des tentatives d'accusation de jeunes personnes. Je pense notamment au cas d'un jeune garçon de 16 ans, il me semble, accusé d'être un lycanthrope, ce qui paraît quand même assez surprenant de prime abord, puisqu'on se dit on est rentré dans l'ère de la science, etc. Comment se peut-il que de telles croyances aient encore cours? Ben pourquoi? Parce qu'on le voit, notamment à travers ce petit Pocket Junior là que je vous propose, qui a le mérite en plus de mettre en scène un personnage féminin, il y a cette idée que c'est relié, ce symbole, à ce que nous sommes avant d'être des êtres civilisés. On est des êtres, comment dire, inscrits dans la nature. On a cette sauvagerie innée en nous. Et pourtant, ça c'est juste un centième de la base du symbolisme du loup-garou. Et pourtant, c'est la seule chose qui nous a parvenu clairement à travers les millénaires. On le voit aussi au cinéma, puisque en fait au cinéma, ça sert vraiment d'épouvantail. Les loups-garous, ils sont là pour faire avancer un récit, généralement centré sur l'horreur. On le voit dans des grands classiques que je vous propose, que certainement vous connaissez déjà tous, que je salue en plus, parce que c'est des performances au niveau des effets spéciaux. On avait quelque chose d'assez extraordinaire dans chacun de ces films, qui a peut-être, en tout cas pour les vieux aujourd'hui, mal vieilli, mais qui à l'époque était très impressionnant. Et à droite, bah, je vous propose The Northman, qui, pour ne rien vous cacher, je l'ai découvert hier, parce qu'on me l'avait prêté et recommandé. Je me suis dit, il est temps. Et en fait, ce qui est très très intéressant, parce que c'est un film quand même, bon, je le préviens, c'est âme sensible, s'abstenir, on a cette notion déjà de déperdition du sens. Et moi, je l'ai trouvé très intéressante parce qu'on est sur un film quand même très psychédélique. Hein. On voit quelqu'un qui a des visions, c'est justement aussi intéressant pour ça, ce film. Et c'est quelqu'un qui appartient à l'ordre des Berserk. On va en parler un peu plus loin de ces Berserk. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, déjà à l'époque, on parle donc autour de l'an 1000, il y avait une déperdition tellement importante des connaissances liées aux loups-garous qu'ils ne savaient même plus vraiment eux aussi à quoi ils faisaient référence. Et c'est hyper important parce qu'on a tendance à scléroser le passé avec des gens qui savent et le présent avec des gens qui sont dans l'ignorance. La déperdition du savoir, elle est hyper progressive. Et ce n'est pas seulement une déperdition, il y a aussi une évolution des symboles à travers, pardon, chaque spécificité locale. Moi, c'est un truc sur lequel aussi j'aime beaucoup revenir à insister. Je ne nie pas quand je fais des comparaisons les spécificités locales, je ne nie pas non plus le génie propre à chaque civilisation. C'est important de se rappeler que même un symbole commun et universel, dans chaque élément et à différentes périodes de l'histoire, il a eu un sens spécifique. On peut faire de la comparaison, mais on ne peut pas priver, voilà, le génie humain de chaque invention, de chaque évolution de symbole. Alors moi, tu vois, ce que j'apprécie énormément dans les émissions qu'on propose ensemble sur Nuria, c'est ce rappel que tu nous fais régulièrement, de manière inconsciente peut-être, mais qu'il faut prendre en compte la durée longue, le temps long, et que ce savoir, c'est pas en un siècle qui se perd, c'est pas au début du 19e que tout a été bouleversé, c'est pas l'ère industrielle qui l'a métamorphosé d'un coup, même si des fois les évolutions sont plus rapides sur certaines parties de l'histoire de l'humanité, mais qu'en tout cas il faut considérer ça sur un temps extrêmement long, et que le savoir n'est pas quelque chose d'immuable gravé dans la roche, qu'il évolue, et tu le rappelais sur les symboles aussi, les choses évoluent. Et nous, voilà, 2023, comment on se positionne par rapport à ça pour comprendre l'évolution de ce sens, de ces symboles. Et c'est toujours intéressant de le rappeler, de se repositionner, de se recontextualiser dans un temps très long. En effet, parce qu'on a tendance à oublier sinon à quel point les gens du passé, ils étaient absolument comme nous. Ils vivaient dans des sociétés où il y avait des mouvements religieux, des évolutions politiques, des évolutions sociales, des questionnements existentiels qui ont changé de nature au fil des siècles, même s'il y a un ferment global, notamment le questionnement sur la mortalité et la condition humaine. Mais quand même, ça a influencé la perception qu'on a des mythes, ne serait-ce que par l'évolution des religions, par l'évolution des politiques et l'usage qu'ils ont fait de certains symboles. Justement, on va commencer à rentrer dans cette évolution et je vous propose de faire le voyage à l'envers. On va partir du 19e siècle pour remonter aux origines préhistoriques du mythe du loup-garou.
C'est parti. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on va parler de choses hyper concrètes. Bien sûr, on va parler de pouvoirs surnaturels, d'êtres surnaturels dotés de pouvoirs étranges et de connaissances anachroniques. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et je vous le donne déjà, c'est qu'à la base, il y a une certaine universalité du mythe du loup-garou qui est toujours liée, ce loup ou cet homme-loup, à un cri. Et le cri, qu'est-ce que c'est? C'est le cri du pouvoir de la germination. Et la germination, c'est quoi? C'est simplement la capacité à perpétrer l'agriculture, à perpétuer, pardon, l'agriculture, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de famine. Pourquoi? Parce que la famine, ça crée quoi? Ça crée la guerre. Et la guerre, c'est vraiment la porte ouverte à tous les maux, puisqu'après, ça ancre encore plus la précarité matérielle. Donc il faut comprendre qu'a priori, les loups-garous, c'était des gardiens de l'ordre. C'était les gardiens de la sécurité de la société et ils appartenaient à une société secrète qui avait pour but de maintenir la paix. On n'est vraiment que sur ce type d'archétype à la base et c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout, même si c'est des marginaux, même si c'est des gens qui agissent dans l'ombre, même si c'est des certaines personnes qui sont associées avec des idées de crime, etc. On verra qu'à la base, aux origines préhistoriques du mythe, c'est des gardiens de la paix, c'est pas autre chose. À la rigueur, presque tout l'inverse de l'image qu'on a aujourd'hui, très bestiale et très violente du loup-garou. Exactement. Et pourquoi? Bah parce que tout ça s'est passé à travers la moulinette, notamment de plusieurs perceptions. Un, la religion, comme j'évoquais, les perceptions de l'Inquisition. On aura l'occasion de vraiment en parler un peu plus loin, très profond, de manière très profonde. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui ont, parce qu'on ne pouvait pas les syncrétiser, les faire rentrer à l'intérieur du culte chrétien, parce que c'était complètement incompatible. C'est des choses qui ont été reléguées et diabolisées pour pouvoir les éliminer, en éliminer non seulement le souvenir, mais l'équilibre social autour duquel ça s'axait. Et on le voit notamment déjà au niveau du 19e siècle dans le fameux livre de référence, le livre des loups-garous, pardon, de Sabine Baring Gould, qui est un homme, comme son prénom ne l'indique pas. Et on se rend compte à quel point, à présent, les villageois qui font appel aux forces de l'ordre pour des crimes supposément perpétrés, pardon, par des loups-garous, ils sont dans la détresse. Ils disent, on nous a fait du mal, on nous a volé ou on a tué quelqu'un. On est sur des crimes, on est sur quelque chose de très lourd. Le souci, et on le verra après dans un cas qui est extraordinaire, qui est issu des archives du Vatican, c'est quelque chose dont je parle régulièrement et notamment dans la Déesse cachée, et dont jusqu'ici j'avais pas pu donner la référence sans l'accord d'Anton, puisque ça devait se trouver dans la chute d'Éden. Là aujourd'hui, je vais enfin pouvoir le présenter, et j'en suis très heureuse parce que c'est un cas de figure qui lève le voile notamment sur ces accusations de crimes faites à l'encontre des loups-garous, de la même manière qu'on a pu accuser des femmes de sorcellerie, puisque le divorce n'existait pas et que certains maris voulaient se débarrasser d'épouses gênantes. Tiens donc, facile. On comprend mieux quand on a le moteur et le contexte social de certaines accusations pour percer à jour le réel objectif de tout cela. Donc dans ce livre sur les loups-garous, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à de la sorcellerie, de la superstition, des affaires de mœurs et des affaires de meurtre, qui ont en fait un background dans lequel on voit qu'il y a une misère sociale qui est absolument énorme, peut-être même juste de l'hystérie collective ou des choses qui n'ont rien à voir avec les plus anciens témoignages liés aux loups-garous. Et c'est des perceptions de mythologues et de folkloristes comme ça du 19e qui ont eu une volonté naturaliste, qui à la base était complètement motivée par l'idée de dire ça existe, mais qui était complètement dans leur société pudibonde et dans leur chrétienté, qui faisait double lunette, qui les empêchait d'avoir accès à une certaine partie du vécu des gens dans les campagnes, qui en plus, faut le savoir, l'ordre des loups-garous, ils étaient vraiment frappés par cette idée de secret. Personne ne devait communiquer ce secret, donc quand le peu de fois ils arrivaient à avoir des témoignages directs de personnes qui se prenaient, entre guillemets, pour des loups-garous, mais vous verrez, personne ne se prend pour rien, il y a des vraies raisons de se croire loups-garous, à partir de là, ils n'interprétaient les choses qu'à hauteur de ce qu'ils pouvaient comprendre, de la même manière que quand ces gens au 19e siècle ont commencé à décrypter les textes cunéiformes, quand il a été question de hiérodule, je vous le traduis en mille, de prostituées sacrées, c'est tout ce qu'ils étaient capables de voir, c'était qu'effectivement, eux, ils allaient au bordel le dimanche après la messe, donc forcément, s'il était question d'une femme qui pratiquait des activités sexuelles, ça devait nécessairement être de la même prostitution dont eux, ils étaient usagers. À partir de là, ce biais de perception a influencé également la cause des loups-garous. Petite question avant de poursuivre que tout le monde doit se poser en regardant cette émission. On parle du 19e siècle. Est-ce qu'au 19e siècle, l'ordre des loups-garous existe encore? Il a des représentants et je vais même pousser le bouchon un peu plus loin, n'est-ce pas Maurice? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a encore des représentants de ce culte et de cet ordre? Alors,
À ma connaissance, non, mais le message délivré par le dernier représentant nommément connu, à savoir celui qui extrait des témoignages du Vatican et de l'Inquisition, affirmait qu'il y avait une filiation encore aux alentours du XVIe siècle. Moi, ça me donne espoir. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment a priori, j'insiste, moi je suis dans l'idée qu'on est dans une émission qui est là pour apporter une rédemption de l'image du loup-garou qui est absolument pas bestial, brutal et idiot. Il est au contraire porteur de connaissances occultes. J'ose espérer que ce type de tradition a pu perdurer et perdurer dans sa forme originelle, c'est-à-dire là pour essayer de pallier à tous les drames sociaux qui peuvent être engendrés par la disette et par la famine. C'était ça à la base leur mission fondamentale. D'accord. Eh ben, merci pour ta réponse. Ça a éclairé un peu. Je suppose que je n'étais pas le seul à me poser la question. Tiens donc, sont-ils encore parmi nous? En tout cas, nous l'espérons. Ce qui est certain, c'est qu'a priori, donc là, je vais vous présenter déjà quelques petites illustrations qui montrent que le thème, déjà aux alentours de 1500, même de l'an 1000, il est complètement amalgamé avec la question des, qu'on appelle les gens sauvages, que ce soit les femmes sauvages, les hommes sauvages ou les enfants sauvages. C'est un thème, je pense, il me semble, qui a été abordé d'ailleurs sur Nuria TV. Il faut comprendre qu'à la base, c'est pas du tout ça non plus. Là, je vous montre quelques illustrations de fameuses femmes sauvages qui ont été amenées par devant le roi de France pour montrer qu'effectivement, l'homme en dehors de la civilisation n'est qu'une bête. Mais en réalité, on parle bien d'autre chose. On parle pas non plus des gens qui ont développé des maladies en lien avec la capillarité. On verra quelques exemples plus tard. Donc, ce que je me permets de vous montrer là, c'est des exemples de femmes sauvages qui ont été présentées dans des ouvrages encyclopédiques qui avaient pour vocation de présenter à l'époque, c'était un peu l'internet du temps jadis, pour montrer tout ce qui existe et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment aux personnes lettrées et assez riches pour se procurer ce genre d'ouvrage. Donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, vous avez quelques exemples d'hommes et de femmes sauvages, c'est quelque chose de vraiment distinct des sujets que nous allons aborder. Au milieu de tout ça, je vous propose une plaque étrusque qui représente une divinité hermaphrodite. Et on parlait donc de la question, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, c'est loup-garou. Là, je vous ai trouvé un exemple qui est vachement intéressant parce qu'on voit que c'est une créature qui présente a priori non seulement en plus le fait d'avoir une tête de loup, les deux polarités, ce qui est assez surprenant et qui montre qu'a priori c'est un culte qui a énormément voyagé, il a été interprété de mille manières dans différentes civilisations et il n'était pas spécialement associé à l'ère masculine, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir. Donc ce que vous pouvez découvrir plus loin, c'est des personnes qui ont été répertoriées dans pas mal d'ouvrages médicaux et de curiosités. Où on voit qu'ils sont atteints d'une pathologie spéciale qui est en lien avec la pilosité. Et c'est vrai que très souvent, moi, j'ai vu ce type d'image présentée comme la preuve de l'existence des loups-garous, mais c'est juste une caractéristique physique. Après, est-ce que ces gens étaient liés avérément plus ou moins à ces cultes? Je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est certain, c'est que là, on parle plus d'une pathologie, de la même manière qu'il existe une pathologie mentale qui consiste à se prendre pour un loup, à se sentir habité par l'esprit d'un loup. On n'est absolument pas là-dedans dans l'analyse de cette émission. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu quand même de très nombreux cas qui ont été référencés, que ce soit des hommes ou des femmes, comme vous pouvez le voir dans ces illustrations. Oui, j'ai regardé avant d'enregistrer cette émission avec toi, justement du point de vue de la médecine et donc du corps humain, quels pouvaient être ces troubles. Alors on parle souvent d'hypertrichose ou d'hypertrichose, C'est ictéose ça, je pense, l'hypertrichose. et qui est appelé, l'autre terme pour le définir cette maladie, c'est le syndrome du loup-garou. Donc j'ai trouvé ça assez parlant. Et puis un autre syndrome s'appelle le syndrome d'Ambras, c'est à peu près la même chose. On est sur de l'hyperpilosité qui, du point de vue de l'image, ramène à cette image du loup-garou. Mais vous l'aurez compris, ce soir, c'est pas forcément l'image qui importe, c'est le sens derrière, la symbolique et les actions qui entourent cette image du loup-garou. Et pourquoi on en est arrivé justement à baptiser une telle maladie syndrome du loup-garou? C'est assez cruel, c'est comme je le montre là dans cette illustration qui évoque l'accusation d'un homme d'être un loup-garou coupable de plusieurs meurtres. L'Église et toutes les formes d'exercice de la justice par le passé ont cherché des preuves, ont cherché des éléments pour montrer qui est coupable de quoi. Et à partir de là, bah, c'est comme quand on cherchait la trace supposée du malin, etc., du diable, du démon, on cherchait des traces sur les corps des femmes pour aller dans le sens des accusations parfois farfelues qui avaient été proférées à l'encontre de certaines femmes, comme je vous l'expliquais, puisque le divorce n'existait pas simplement pour se débarrasser d'elles. De la même manière, on a cherché à prouver que certaines personnes étaient des loups-garous
à cause de leur maladie, à cause de leur différence. Et après une bonne dose de torture, évidemment, ces personnes avouaient, elles auraient avoué n'importe quoi pour faire cesser soit le chantage, soit la violence dont elles étaient victimes. Et à partir de là, on comprend mieux pourquoi encore aujourd'hui, ce type de stéréotypes et de préjugés perdure. C'est parce qu'on est à la base sur l'implémentation de cette volonté de dire « parce que vous ressemblez à, parce que vous êtes différent, vous êtes coupable d'eux ». Et c'est quelque chose que j'aimerais inviter les spectateurs aujourd'hui à vraiment investiguer à chaque fois qu'ils prêtent des qualités ou des défauts à certaines personnes. Posez-vous la question, est-ce que c'est en référence à un stéréotype? Est-ce que c'est en référence à une idée qui fait vraiment partie de mes convictions? Ou est-ce que c'est parce qu'on m'a dit qu'un jour il fallait penser de telle manière? En fait, ces gens-là, ils étaient victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui le délit de sale gueule. C'est ça? Exactement. On est sur le délit de faciès et en fait le délit de faciès à la base, là aussi on l'a vu tenter d'être soutenu par des arguments scientifiques à nouveau au 19e siècle, que ce soit avec la phrénologie ou avec d'autres types d'analyses qui avaient pour but de vous dire les criminels ont tel type de visage, tel type de géométrie, ça se mesure par l'espacement des Oui, yeux, on a tous etc. des images de ces compas pour mesurer la circonférence de la boîte crânienne, etc. Et ce qui permettait, selon ces gens, de déterminer qui nous étions et quels seraient nos actes. Et ça, c'était super crédible à l'époque, hein. Il faut bien se remettre dans le contexte que c'était considéré par une grande majorité de personnes comme quelque chose de tout à fait recevable. Donc encore aujourd'hui, j'invite chaque personne qui écoute cette émission à remettre parfois en perspective certaines de ses convictions et se demander est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment juste et est-ce que c'est vraiment bon pour l'humanité? Parce qu'on a pu, voilà, envoyer des gens à la torture sur le bûcher parce que soi-disant ils avaient une tête de loup ou ils avaient trop de poils, ce qui faisait d'eux des gens bestiaux alors que pas plus que d'autres. On est bien d'accord. Donc, on va enfin pouvoir aborder le fameux témoignage du Vatican qui a Le été fameux. retrouvé dans les archives de l'Inquisition. Alors, je vous montre par quel biais moi j'en suis arrivée jusqu'à ce témoignage et Anton également. On est sur ce bouquin, Les batailles nocturnes. Alors, je vous le dis tout de suite, ça, c'est un trésor. Il y a trois trésors qui m'ont permis d'évoquer la question des loups-garous dans la déesse cachée. Les batailles nocturnes. Alors, de Carlo Ginzburg, et je le prie de m'excuser d'escagasser son nom parce que c'est une personne qui a absolument toute mon admiration et dont il a été immensément difficile de trouver cet ouvrage. Pour rien vous cacher, regardez. Ancien ouvrage de bibliothèque racheté dans un fonds de commerce qui était vraiment pas en bon état. Et j'ai pu trouver ce dernier exemplaire français qui aujourd'hui, c'est une horreur à trouver. C'est une merveille. Sans ça, il n'aurait pas été possible pour ma part de retrouver la piste de Thiès de Kaltenburg, donc le fameux monsieur qu'on retrouve dans les témoignages du Vatican. Autre trésor qui nous permet aujourd'hui de reconstituer l'image du loup-garou telle qu'elle a été à l'origine et à travers cette émission, on a Apollo, The Wolf God de Daniel Gershenson. Je vous prie de m'excuser, c'est la fête des noms escagacés ce soir. Et là, regardez-moi cette petite merveille. Vous voyez là, c'est tout petit, c'est tout plat. Vous savez combien ça coûte, ça? Ça coûte 100 euros. Et encore là, je l'ai eu à vraiment pas cher, considérant la cote de cet ouvrage, qui ne possède aucune forme d'illustration, qui est vraiment un Oui, hommage. il n'y a même pas de couverture. Enfin Pas de de... couverture, rien. On est sur du basique, basique, mais tellement dur à trouver, mon Dieu! Ça a été un enfer d'arriver à se le procurer. Et pourtant, on parle d'une étude, hein. C'est quelque chose qui est assez. Ça devrait être normalement diffusé. Ça a été extrêmement difficile à se procurer. De la même manière. Ouvrage quasiment introuvable aujourd'hui dans cette réédition en français, Les loups du ciel de Karl Schlaisier. Alors je vous prie de vraiment de m'excuser pour ce massacrage en règle des noms des personnes que je J'aurais pas cite. fait mieux, Annaëlle. Mais sachez que ces trois ouvrages sont totalement introuvables et recèlent toutes les bases les plus essentielles qui ont lancé cette étude. Et quand je vous dis lancer, cet ouvrage, pour rien vous cacher, il a été acquis il y a plus de 15 ans chez Monalisée, pour ceux qu'on connut à Paris, Monalisée, qui revendait là aussi des vieux stocks d'ouvrages qui devaient finir au pilon, sinon, parce que qu'est-ce qu'on fait des vieux livres? Parce qu'on est des malins, nous, après avoir écrabouillé des arbres pour nous en faire de la belle pâte à papier de qualité et imprimé avec des saletés d'encre toxique dessus, quand ils sont pas vendus, qu'est-ce qu'on fait? On les met au pilon, on les brûle. Donc comme ça a permis de sauver de la destruction plus, plus, plus. Une somme de connaissances qui était vraiment essentielle et qui aurait pu passer complètement à la trappe. Je vous le dirai jamais assez, par pitié, les amis, les Nuréens, ne jetez pas les livres. Vous en voulez pas, vous les mettez dans une boîte à livres. Vous en voulez pas, vous les donnez, vous les prêtez, faites ce que vous voulez, mais que ça finisse pas en calmable, que ça finisse pas
un truc pour faire démarrer le feu le soir en hiver. Ne faites pas ça. Quoi que ce soit, ça peut toujours servir à quelqu'un. Et j'ai retrouvé, dans des circonstances comme ça, proprement rocambolesques, mais des bouquins tellement importants qui servaient, comme je vous dis, de calme-meuble ou qui allaient servir à allumer un feu un soir d'hiver. Faut pas faire ça, s'il vous plaît, les amis, Ouais, entendez mon cri. je te suis, le message est envoyé. Merci pour le coup de gueule sur la destruction des livres. Et moi, j'imagine juste à Noël, sous le sapin de Noël, Anton et Annaëlle, il y a plein de bouquins qui s'entassent dans des paquets cadeaux. Et parce que je vois le regard briller quand tu parles de ces trois ouvrages que tu viens de nous présenter. Moi, ça fait plaisir. Je l'ai toujours dit sur cette antenne, les livres, moi, je préfère les livres aux vidéos. J'anime une web TV, mais des livres, il y a un côté sacré et très important derrière tout ça. Je ne vais pas vous le cacher, celui-là, bah, c'était mon cadeau d'anniversaire pour lequel ont participé mon éditeur et mon mari. Et on a bien mangé des pâtes avant et après. Mais il fallait, parce que si on n'avait pas, moi je vais vous dire, ne serait-ce que parce qu'on protège déjà quelques vieux bouquins comme ça non réédités et qu'on nous a donnés, parce que bah, y a personne d'autre que ça intéresse, sinon ça allait finir dans des endroits innommables. Il faut les garder, j'insiste. Gardez tout et transmettez si vous ne pouvez pas être les gardiens de ces trésors, parce que sinon ça part nulle part, ça part dans le vide, c'est détruit, c'est perdu. De la même manière que, comme on dit dans une bibliothèque, un livre mal rangé, c'est un livre perdu. Voilà, petite parenthèse importante. Merci d'avoir précisé tout ça, Naël. Merci à vous pour avoir prêté une oreille attentive à tout ça. Donc, on va enfin pouvoir embarquer dans la fameuse histoire du témoignage perdu du dernier loup-garou interrogé par l'Inquisition. C'est un témoignage qui se retrouve dans les archives du Vatican et qui a été par plusieurs personnes qui ont eu des autorisations nécessaires, pu être lu en première main. Pour ma part, moi, j'ai pas pu avoir accès, bien évidemment, à la transcription originelle de ce procès. Je n'ai eu comme support que les transcriptions qui ont été faites par ce chercheur-là, mais également par d'autres, puisque j'ai pu faire, entre guillemets, contre-enquête à travers d'autres personnes qui ont eu accès aux primo-documents. C'est quelque chose de complètement émouvant. Pourquoi? Parce qu'on est face à un homme qui a un nom en plus, qui est quand même assez rare, un nom complet. Le monsieur s'appelle Thiès de Kaltenbrun. Et cet homme-là, il est appelé aussi le loup-garou de Livonie. Il a été jugé pour hérésie à Jorgensburg en 1692 et il avait alors 80 ans. Je vous laisse imaginer le portrait. On n'a pas hein, de gravure, de représentation. Peut-être le document originel de l'Inquisition en comporte, mais il n'en est fait mention nulle part. Quel est le visage de ce vieux grand-père qui confesse le secret de toute une vie? Il devait en avoir un. Au moins, on a son nom, on a sa localité, on a son âge, qui nous dresse déjà un portrait qui est, pour ma part, je le trouve excessivement émouvant, parce que déjà arrivé à cet âge vénérable, à cette époque, c'est un miracle. Mais on va comprendre très progressivement comment il a pu parvenir à de tels miracles. Cet homme s'est livré à des confessions extrêmement poussées, extrêmement détaillées, comme il n'en avait jamais été fait jusque-là. Tant et si bien qu'en fait, les juges étaient hyper embêtés, parce que, comme je vous l'ai expliqué, le loup-garou, à la base, fait partie donc de cultes pré-païens, qui n'ont pas pu être assimilés à la chrétienté. Et pourtant, il y a eu des tentatives. Vous retrouverez notamment dans certains textes parabibliques, ou en tout cas para-Nouveau Testament, des mentions selon lesquelles le jardin de la Vierge Marie au paradis est gardé par un loup. Vous avez quelques mentions comme ça qui sont des tentatives de syncrétisme pour ne pas oublier certains mystères, mais qui ne sont pas complètes. Et de la même manière, là, ce monsieur, qui était pourtant ce Thiès, qui était quelque part un bon chrétien, puisqu'il expliquait lui-même qu'il allait tous les dimanches à la messe, disait bien, et ça c'est la dédicace que vous retrouvez au tout début de la Déesse cachée, je suis un loup de Dieu, je sers Dieu, je sers l'intérêt de l'humanité, je ne suis pas un suppôt du diable, je ne suis pas un être satanique, je ne suis pas un être diabolique, mon but n'est pas d'apporter le chaos, mon but est de protéger l'humanité. Vous imaginez la tronche des juges à cette époque qui d'habitude voient des gens complètement délirants qui sont prêts à avouer n'importe quoi pour qu'on arrête de les torturer, recevoir le témoignage d'un mec d'un hameau voisin qui dit « il m'a cassé le nez ». Et il est là pour répondre de son acte. Bon, déjà, vous imaginez un vieux monsieur de 80 ans tabassé. Je crois que l'autre, il doit avoir 40, 50 ans en face. On imagine un truc complètement délirant et on se dit bien, là aussi, ils ont utilisé un prétexte pour lancer une affaire judiciaire et pour arriver à le faire toper pour hérésie parce qu'ils en avaient marre du vieux crouton. Ils voulaient lui piquer sa ferme, ses chèvres. Allez savoir exactement quel était le vrai sujet qui était au fond de ce procès qui n'est jamais avoué et qui est emballé sous cette histoire d'hérésie.
Donc ce monsieur, ce Thiès, il se défend et il dit, mais non, moi je ne pouvais pas être là à casser la figure de ce monsieur parce que bah, vous savez, en fait, je suis loup-garou, donc il faut que j'aille jusqu'aux portes du monde souterrain, je me rends à l'intérieur de la terre pour aller combattre les sorcières et le diable et pour en faire émerger à la surface de la terre ensuite les grains pour ramener le gibier, pour ramener l'abondance. Imaginez la tête des juges quand il y a quelqu'un qui vous dit ça en guise de défense face à un acte qui est minime, le type en gros. Il a balancé une confession d'un acte bien plus grave plutôt que de se Oui, défendre. après on peut se dire que son âge avancé, 80 ans, ce monsieur se sert en fin de vie, enfin plus proche de la fin de sa vie que du début, soyons Oui. clairs. Et du coup, ça me fait penser à ces vieux militaires américains qui témoignent aujourd'hui parce qu'ils arrivent en fin de vie et que finalement il n'y a plus rien à perdre à témoigner et à dire ce qu'on a vécu ou qui on est. Exactement, et c'est très certainement ça, puisque ce monsieur, il explique et il se contredit dans une partie de son témoignage. Il dit non, non, mais moi, ça fait 10 ans que je me suis retiré de ce cercle des loups-garous. Puis on lui dit, mais monsieur, vous avez dit juste avant que vous y étiez encore et que vous ne pouvez pas donc être à l'endroit où on vous accuse d'avoir été. Et là, il se retrouve pris à son propre jeu parce qu'effectivement, il voulait utiliser, je pense très sincèrement, le tremplin que représentait l'Inquisition et cette tentative de le destituer moralement à tous les niveaux et de le priver de tous ses biens pour enfin avouer ce qu'il en était et répandre au monde la présence et le secret de l'existence de ces loups-garous, parce qu'il explique bien, moi je suis pas tout seul, on est très nombreux et on sera toujours là. Et ça, c'est quelque chose d'hyper émouvant parce que on a cette surabondance de témoignages qui sont bien au contraire en train de dire j'ai été possédé par l'esprit du malin, j'ai tué les moutons de machin ou j'ai dévoré les enfants de trucs. Non, là on est sur complètement un autre domaine et un domaine qui est hyper corroboré. C'était tout l'objet de l'étude de Carlo Ginzburg dans cet ouvrage Les batailles nocturnes. On voit que d'autres pays totalement isolés font état de cultes qui sont liés au monde agraire, de la même manière que ce que je fais émerger dans la déesse cachée, mais sur d'autres aspects. On a donc des gens qui sont, comment dire, préoccupés par l'agriculture, préoccupés par la stabilité de la société, l'idée que personne ne manque de rien pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas de rivalité, etc. Et on le retrouve partout, et partout, immanquablement, c'est lié à la nuit, au secret, la société secrète, au monde souterrain, à une déesse cachée qui représente l'année, et à ses agents qui sont soit des femmes sirènes, des femmes oiseaux, et les hommes, en majorité, bien qu'il y ait des femmes, sous forme d'êtres qui se transforment en loups. À partir de là, cette présence qui est éparpillée à travers le monde, de cette occurrence qui est incarnée par ce monsieur Thiès, on voit qu'elle est absolument universelle. Quand je vous dis universelle, vous allez voir, on va faire ce voyage ensemble. On la retrouve jusqu'en Amérique. Et c'était tout l'objet de l'étude que j'ai réalisée dans la déesse cachée, c'est montrer que si vous avez la même croyance partagée des deux côtés de l'océan, et même partout ailleurs aussi, on la retrouve sous certaines formes, bah ça implique quoi? Soit ça implique que les mecs, ils avaient le téléphone et ils se racontaient leur évolution mythologique ensemble, ce qui est très peu probable, soit il y a un ferment commun qui date d'avant la séparation des peuples, qui aujourd'hui est daté à moins 40 000 ans. Donc on est sur la persistance de croyances, de cultes, l'héritage de quelque chose qui a vécu à travers l'humanité sur plus de 40 000 ans. Et ce monsieur Thiès, dans ce témoignage qu'il apporte à l'Inquisition, de manière totalement, en plus, voilà, comme tu le dis, il prend le fait qu'il est en fin de vie plutôt et qu'est-ce qu'on va lui faire au final à part le tuer, il révèle qu'il y a un héritage qui a 40 000 ans, qui est encore bien vivant dans ce coin-là. Et je trouve que c'est exceptionnel parce qu'il n'y avait aucune raison que ce merveilleux témoignage survive après toutes les tentatives que j'ai déjà bien expliquées, qu'elles soient d'ordre social ou autre, d'étouffer cet aspect-là, le fait de le gommer, de nier l'existence de telles choses. Donc voilà, il faut savoir qu'à la base, ces loups-garous se décrivaient comme vraiment des agents du divin, comme des agents intercesseurs bienveillants envers l'humanité qui étaient là pour garder l'humanité du chaos, de la pauvreté et de la famine, et se nommer les chiens ou les loups de Dieu. Et je rappellerai que cette date de 40 000 ans, tu nous en as déjà parlé dans les précédentes émissions qu'on avait consacrées à ton livre La Déesse Cachée. Il y avait les deux émissions sur Pythagore et sur les origines de l'évémérisme, où cette date de 40 000 ans, tu nous avais donné tous les éléments pour comprendre comment elle était déterminée et comment on pouvait remonter jusqu'à une telle époque pour voir un lien commun à travers le globe. Donc je vous invite à revisionner ces deux émissions si vous ne les avez pas vues. Vous voyez les deux affiches qui apparaissent à l'écran. Alors pour rebondir sur les chroniques de Nuremberg à présent, je me suis servi de cet exemple pour vous présenter quelque chose qui a vraiment attrait à la superstition et comprendre pourquoi est-ce qu'on a perdu totalement les témoignages qui étaient
cohérent et organisé comme celui de Thiès, se substitue à ça dans l'imagerie populaire l'idée selon laquelle effectivement les campagnes sont complètement habitées de gens complètement superstitieux et détachés de toute notion de réalité. En veut le témoignage du loup d'Absac, alors j'espère le prononcer bien, c'est vraiment ma soirée ce soir. On a accusé un loup mangeur d'hommes d'être la réincarnation d'un ancien préfet ou maire de la principauté. Donc ce monsieur s'appelait nommément Michael Leicht, et on l'a accusé de s'être réincarné en loup et d'être venu manger à nouveau ses concitoyens. On est donc sur l'histoire d'un loup qu'on a capturé, habillé en homme, torturé et exécuté. Donc on est quand même plutôt sur cette imagerie-là qui prédomine, qui obtue totalement le débat quand on essaie d'analyser d'une autre manière le domaine des loups-garous, parce que c'est cette image-là qui surnage. C'est fou parce qu'on a l'habitude des hommes habillés en loup, prenant les attributs du loup. Là, on apparaît un loup des attributs de l'être humain. C'est assez singulier. Tout à fait. Comme je vous l'expliquais, il faut savoir qu'effectivement, le loup-garou, c'est un archétype assez universel. On le retrouve dans de nombreuses cultures. Je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà les Koutroubes, qui sont en fait les loups-garous du monde islamique, qui sont en fait des personnes possédées par des djinns et qui développent la capacité de se transformer, notamment en loup. C'est un domaine qui est très très peu documenté parce que moi je parle pas les langues dans lesquelles sont réalisés les témoignages que j'ai pu trouver, donc j'ai pu avoir affaire qu'à des traductions à peu près. C'est un sujet qui est absolument passionnant parce qu'il nous montre qu'effectivement, on va le voir, il y a une persistance dans cette aire géographique d'une très ancienne culture liée au loup, et je vous en parlerai tout à l'heure quand on s'attaquera à la Mésopotamie. Donc ici, je vous ai mis une petite illustration qui représente toutes les variations qu'on peut trouver autour de cette idée de métamorphose en loup. C'est pas forcément un loup des pieds à la tête, c'est parfois des créatures un peu plus hybrides avec des pieds crochus, des choses fourchues, voire des êtres loups mais cornus. C'est toujours très intéressant de voir les variations locales qu'il peut y avoir liées à ça. Alors, on va poursuivre avec les variantes locales françaises. Il faudrait toute une vie pour arriver à bien analyser les spécificités locales. Et je vais vous dire, il y a vraiment, à travers l'étude que j'ai pu faire, donc des garaches, des voirloups, des ganipotes, qui parfois aussi s'écrivent galipotes, garanches, etc. Vous avez vraiment des variations, ne serait-ce que dans l'appellation, ce qui rend extrêmement difficile la recherche de textes qui font référence à ça. On voit à quel point, quoi qu'on fasse, peu importe le nom qu'on lui met, il y a toujours cette histoire de ferment du récit. C'est la nuit. La nuit, on rencontre quelqu'un, un loup, ou un homme qui a des attributs de loup, et qui nous pose un défi, ou qui court. Il y a quelque chose en rapport avec la fuite. Et c'est pas toujours effrayant, c'est parfois drôle et même ridicule. Et c'est ça qui est intéressant dans certains témoignages. On n'est pas seulement lié à la magie noire, à des choses effrayantes ou des récits de persécution et de mort, contrairement à vraiment l'image d'Épinal, qu'on en a, il y a quelque chose de vraiment parfois comique, comme une personne qui est, comme on le voit dans cette illustration, elle porte, c'est le ganipote du coup sur ses épaules, parce que le ganipote, il faut savoir que c'est un loup-garou qui est maudit et qui doit accomplir le tour de 7 paroisses toutes les nuits pendant 7 ans. Et vous allez voir l'idée du voyage, le voyage sur une chronologie temporelle, ça prend racine dans l'origine proprement préhistorique du mythe qu'on va découvrir ensemble, notamment quand on sera au niveau de la religion hellène, donc du monde gréco-romain. Et on voit donc là, c'est devenu quelque chose de drôle en fait. Si tu te balades la nuit, le ganipote va te sauter sur les épaules et tu vas devoir à sa place faire cette malédiction, courir les sept paroisses. Ça paraît proprement dingue, mais en fait, c'était juste ça. C'était pas seulement des histoires de meurtres atroces. Et derrière, il y a une vraie symbolique qui remonte à des temps très très reculés pour expliquer ces traditions-là, ces récits-là, ces légendes-là. Donc c'est assez fascinant. Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi cette histoire de bonne femme complètement hallucinée? Pourquoi est-ce qu'on irait courir? Pourquoi est-ce qu'il y a un loup sur les épaules du monsieur? C'est quoi ce délire? Hors contexte, sans chercher à comprendre les origines de ce récit-là, ça n'est qu'une tête. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et de la même manière qu'on voit des témoignages sur les bénédentines, qui sont un sujet qui est associé de manière, on va dire, un peu lointaine, quand on parlera des sirènes dans une émission plus tard, j'approfondirai, on a tous ces témoignages qui, paradoxalement, sont assez, ils décrivent des choses. Il y a donc l'histoire d'un type qui porte un loup sur les épaules, un truc complètement invraisemblable. Et pourtant, toute la partie symbolique, toute la partie vivante de ce patrimoine mythique, il est caché. Et c'est ça qui est hyper paradoxal, de la même manière que dans les Benedanti, on voit qu'il y a des gens qui accusent d'avoir été volés par des trolls, par des lutins dans leur garde-manger, alors qu'ils savent qui est derrière,
Mais ils veulent pas le dire, alors ils disent oui, bah, c'était les lutins, c'est les Bénédentis, c'est les sorcières de la nuit, c'est la chasse sauvage, alors qu'ils savent très précisément que c'est le voisin qui est dans la caste des loups-garous, que c'est le voisin qui est dans la caste des sirènes, etc., qui a fait ça dans un contexte de rituel. Mais comme ils peuvent pas l'accuser nommément, ils inventent des trucs et ils présentent ça au niveau de la justice. Et c'est très intéressant de voir que nous sont parvenus des témoignages invraisemblables. Pourquoi? Parce qu'il y avait des raisons sur le plan matériel. Ben, on les a obligés, voilà, à courir la nuit et quelqu'un les a vus, donc ils ont été obligés de balancer. Ou on leur a piqué des réserves, donc il faut bien qu'ils justifient du fait qu'ils ne peuvent pas payer l'impôt ou pas donner le grain à machin. Et ils sont donc obligés de donner un petit bout de la vérité, mais ils ne peuvent pas donner tout le reste. Et c'est là qu'on voit que le patrimoine a vécu longtemps, au nez et à la barbe de l'Église et des institutions qui ont conquis différents territoires. Et en même temps, ça n'a jamais cessé d'être, mais c'est pas totalement compris. Là, c'est fascinant parce que tu nous apportes une explication sur nombre de phénomènes dont on parle régulièrement sur Nuria TV. Tu parlais de lutins et autres élémentaires issus des traditions folkloriques. Ça veut dire que d'après toi, et là, c'est que ton avis qui m'intéresse, ça remet en question la globalité des témoignages par rapport aux élémentaires, par rapport aux loups-garous. Tu sais, je disais en début d'émission, moi personnellement, j'ai tendance à croire que les gens qui témoignent, dans une très grande majorité, sont sincères et ont vraiment observé des phénomènes, loups-garous, dogman, lutins, ont vraiment vécu ces observations. L'explication qu'on en donne, c'est un autre point, mais en tout cas, eux sont sincères dans leurs témoignages. Est-ce que tu penses que ces deux visions peuvent s'allier, c'est-à-dire une vision où on retourne à l'origine de ces récits, ce qu'on est en train de faire ce soir et ce qui est fascinant, et une vision où on accorde du crédit quand même à des phénomènes qui dépassent l'entendement? Moi, je pense qu'il y a vraiment des phénomènes qui me dépassent complètement. On ne peut pas résumer mon analyse de comment dire, de la manifestation sociale des loups-garous, qui est vraiment, là, je suis vraiment dans les domaines pragmatiques, dans des témoignages, etc. Et certaines personnes qui vous disent, bah, j'ai vu un lutin, j'ai vu un elfe, tout. Faut pas croire, en fait. Moi, j'ai l'esprit suffisamment ouvert pour me dire, bah, il y a des choses qui me dépassent, des choses que j'ai pas vues, des choses que je ne comprends pas, et qu'il existe beaucoup d'autres phénomènes que ceux que j'ai pu cartographier, évaluer ou analyser. Donc, que les personnes qui sont en affinité, voilà, par rapport aux lutins ou des élémentaux, et par rapport à ce que j'ai pu en dire là, ne se sentent pas attaquées et pas réduites dans leurs croyances ou dans leurs convictions, parce que pour ma part, je suis fondamentalement convaincue que la réalité, elle dépasse la fiction et que j'ai pas la réponse à tout. Là, ce que j'apporte juste, c'était un éclairage sur des. Et j'insiste, moi j'adore dépiauter les trucs administratifs comme ça où on trouve des témoignages invraisemblables, de la même manière qu'il existe, peut-être vous connaissez, un arrêté en France qui interdit à Châteauneuf-du-Pape de faire atterrir un ovni. Il y a un édit, hein, c'est C'est la légal. loi. Voilà, on leur a dit maintenant les ovnis, pas Châteauneuf-du-Pape, quoi. Et de la même manière, on trouve des trucs comme ça complètement fous, notamment en Italie, où on trouve des gens qui expliquent, voilà, au niveau des impôts, je peux pas payer les impôts parce que, enfin, ils le disent pas comme ça, mais voilà, je suis dans la misère parce que, impliquant par conséquent ne pas pouvoir s'acquitter de l'impôt, les lutins sont venus se servir dans mon garde-manger. Et quand on entend ça, on se dit, mais est-ce que vous vous foutez de ma gueule, en fait? J'imagine déjà la tête des gens venus recouvrir l'impôt, obligés d'écrire ça et de se dire, on va me taper dessus. Moi, quand je vais retourner à la capitale, ils vont me taper dessus, les gens. Et c'est assez. Moi, je trouve que c'est beau parce que quoi qu'il y ait derrière, on voit une vie sociale qui est riche. Et je pense, moi, que cette vie sociale, elle traduit donc des cultes pré-païen, elle traduit la transmission de cultes extra-anciens, mais il y en a d'autres qui vous diraient c'était des marioles, les mecs ils ont utilisé la superstition pour ne pas s'acquitter de leurs obligations, peu importe la manière dont on décide de le voir, ou peut-être d'autres qui vous diraient c'est la preuve, on tient la preuve que les lutins existent parce qu'il y a un type qui le dit. Moi je suis pas là pour trancher, je suis juste là pour vous dire c'est un faisceau d'indices qui converge dans, parce que vous voyez bien, et si j'avais une lettre signée de décharge, nous sommes les loups-garous, nous existons, et ce que vous dites Bien est correct, sûr. je vous l'aurais Mais montré. moi où ça me fascine, parce que honnêtement, j'aime beaucoup te suivre dans les explications que tu nous donnes, parce que moi je rappellerai jamais assez Nuria TV. Pourquoi Nuria TV? Parce que on cherchait à remonter à l'origine. Donc Nuria, pour la petite parenthèse, je vais essayer d'être rapide, mais Nuria, ça venait de Noréa et de Nora. Enfin, Nora vient de Noréa, qui vient de Nuria. Et donc, à travers le prénom de Nora, qui est la créatrice, l'instigatrice de ce média, on cherche à remonter à l'origine des choses. Donc avec toi, c'est typiquement ce qu'on fait et c'est du miel pour mon cerveau. Et je me dis en même temps, je vais essayer d'être très bref dans cette parenthèse, que les phénomènes inexpliqués dont on parle souvent à l'antenne, qui pour moi sont crédibles de par les récits qui nous sont rapportés, puissent leur origine également là-dedans, dans le sens où peut-être que
collectivement ou individuellement, ces récits, ces archétypes qui sont transmis depuis la nuit des temps, viennent structurer l'inconscient collectif. Et que ces phénomènes qui peuvent être bien réels ont pour origine l'inconscient collectif. Et que nous sommes en partie créateurs de ces phénomènes à travers cet inconscient collectif et les archétypes qui le structurent. Donc je pense qu'il y a une vraie cohésion dans tout ça et que l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, moi je te remercie de nous ramener la compréhension historique de tout ça. C'est vraiment important de le faire, je pense. Merci Guillaume, pour moi c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous transmettre toutes ces infos parce que j'ai vraiment la chance d'être habitée par ce grand désir et qui prend source dans mes visions. Je le dirai jamais assez pour ceux qui n'ont pas lu la retranscription de mes visions dans les chroniques de la maîtresse du temple. J'ai ce besoin de faire vivre ces infos que j'ai reçues et ça ne veut pas dire que je suis désespérée à l'idée de vous trouver des preuves de ce que je raconte. Bien au contraire, comme vous voyez là, on aborde des sujets qui a priori concernent pas du tout le personnage de Anna à travers lequel je vois dans mes visions. Je sais juste qu'il y a des infos qui sont en lien dans certains papiers et je sais vers lesquelles certaines fois, en tout cas, me tourner telles que je les ai vues à l'époque. Et là, on voit dans ces témoignages autour des loups-garous qu'il y a effectivement il y a quelque chose d'incompréhensible. Je vous dis pas que mon analyse elle est forcément juste. Je vous fais juste part d'éléments qui ont été sous-représentés dans les médias et dans la représentation mainstream du loup-garou pour que vous, après, vous fassiez votre propre idée. Et si vous avez envie d'approfondir, lisez La Déesse Cachée, mais sachez qu'il y a tout un tas de trucs. On pourrait vous dire « Ouh, on nous cache tout, je sais pas quoi ». Je rentre même pas là-dedans. Je vous dis simplement qu'il y a des choses à côté desquelles on passe parce qu'elles ne sont pas suffisamment mises sous nos yeux. Et cette émission, elle est là pour vous. Elle est là pour vous mettre sous les yeux des éléments marginalisés qui, pourtant, ont toute crédibilité à avoir un lien avec les loups-garous et je trouve ça assez dingue qu'on ait réussi à les faire passer comme ça discrètement au placard. Dans un temps, je ne le rappellerai jamais assez, très très long, et merci infiniment de ramener tout ça à la surface. On poursuit avec une photo d'un casque étrusque. Là aussi, je te laisse développer ton propos. Ok, alors je vous reviens juste une toute petite seconde sur l'image de la Topographia Hibernia qui montre en environ 1300 l'aventure d'un prêtre qui était venu convertir un village de loups-garous et qui très précisément avait rencontré deux loups-garous extrêmement bienveillants à qui il avait fait faire la communion, l'Eucharistie, youpi. Et on trouve ça extraordinaire quand même de se dire qu'on a des récits encore en 1300, on reste quand même dans une époque où il y a toujours des tentatives très actives de faire des syncrétismes entre les cultes païens, voire pré-païens, et la chrétienté. On voit que là, il y a une vraie tentative d'inclure les loups-garous. Pourquoi? Parce qu'on a envie de les gagner aussi à la cause de la chrétienté, il ne faut pas croire. Et je profite de cette anecdote pour ça, pour vous évoquer à travers les loups-garous une cause bien plus large qu'on retrouve dans la Kabbale, que vous retrouverez dans la Déesse Cachée, si ça vous intéresse. Il y a une volonté, à une époque, de faire de toutes les religions et de toutes les croyances qu'il y avait en Europe une seule et même religion, que ce soit sous l'égide de la Kabbale ou sous l'égide de la chrétienté. On a voulu faire tous les syncrétismes du monde, tout rassembler à l'intérieur, comme une sorte de grand polythéiste qui ne disait pas son nom à l'intérieur d'un monothéisme pseudo-chrétien. Et là, cette trace, ce témoignage sur les loups-garous gentils qui ont reçu la communion, c'était une manière de dire « Coucou les loups-garous, vous pouvez rentrer, vous pouvez vous faire baptiser, on est très open ». Et ça paraît fou, mais c'est exactement ce degré de lecture, je pense, qu'il faut adopter par rapport à ce témoignage. C'était de la propagande à destination des personnes qui adhéraient à ces cultes pré-païens pour leur dire « Vous êtes bienvenus !» Et ça paraît fou. Ouais, mais un peu de la même manière où on retrouve la façon dont se sont intriqués le paganisme celtique, les druides, la manière dont ils ont intégré les ordres, et aussi comment on a utilisé des sites païens, je pense aux mégalithes, qui sont pré-celtiques, avec la chrétienté, et dont la manière dont tout ceci s'est assemblé pour que la transition se fasse, et que ça soit... C'est une sorte de propagande. Tout à fait. Et on a évoqué ça, je crois, dans l'émission sur Pythagore, il ne faut jamais vous projeter ni dans un lieu, ni dans un témoignage, en vous disant que vous êtes le premier à le voir, vous êtes le premier à le faire émerger. Il y a eu tout un tas, successivement, d'autres personnes qui ont voulu chercher, qui ont voulu se réapproprier des cultures, et qui ont voulu en faire plein de choses avant vous. Donc c'est vrai, quand on voit un monument mégalithique, on se dit, il était comme ça à l'époque, c'est pas prendre en compte les matériaux périssables qu'il y a pu avoir autour, les tentatives de réappropriation diverses et variées, voire les pillages. Et c'est un domaine sur lequel, je crois que c'était dans l'émission sur Pythagore et dans la Déesse Cachée, extensivement je vais là-dedans, pour expliquer pourquoi certaines traces de certaines figures mythiques sont encore aujourd'hui très difficilement accessibles. Il y a eu des pillages, tout simplement, il y a eu des volontés de détruire. Alors je vais enchaîner maintenant pour pas trop empiéter sur ce qu'on avait dit par rapport à l'émission de Pythagore, et je vous renvoie vers celle-ci si vous souhaitez approfondir le sujet. Très très intéressante celle-ci aussi. Cette fois-ci, on y va sur nos vases étrusques. Ça y est. Je fais le bon lancement, c'est parti. Oui, merci.
Merci Guillaume. Alors là, je vous présente un casque étrusque dont on sait il est officiellement associé à l'imagerie du loup. Il n'y avait pas seulement des casques, de la même manière que chez les Celtes ou les pré-Celtiques, on retrouve aussi des instruments de musique, des cors, on ne sait pas si c'est des cors de chasse ou des cors de guerre, qui sont là pour faire de la musique, comme vous l'évoquez. Est-ce que c'est dans le cadre guerrier ou est-ce que c'est dans le cadre de cérémonie agraire? On n'a pas le fin mot de l'histoire. Ce qu'on sait juste, c'est que cette image de la gueule ouverte du loup, qui est là pour porter ce souffle et qui est là pour faire germiner le grain. D'ailleurs, le souffle du loup, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout mis dans ce PowerPoint, mais qui existe, vous retrouverez dans La Déesse Cachée. Dans la Mésopotamie, on retrouve des textes, des poèmes ou des, qu'on appelle ça des proverbes, on les a cartographiés comme tels, même si peut-être le terme est un peu abusif, qui parlent du souffle du loup, le souffle du loup qui s'engouffre. Et de la même manière que dans les fameux contes de Grimm, on retrouve ce loup qui souffle pour aller défoncer la porte et manger les petits porcelets. Il y a des mythèmes, ça s'appelle des mythèmes, c'est pas que des archétypes, c'est des thèmes qu'on retrouve universellement à travers le temps. Et qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent un ferment ancien. C'est pour ça qu'on doit prêter attention à ce type d'éléments. On m'avait interrogé dans l'émission sur la question-réponse sur les parallèles que j'ai pu établir entre les mystères d'Orphée et les mystères osiriaques du Osiris de l'Égypte antique, et notamment dans sa version pré-pharaonique. Il faut bien comprendre voilà, qu'il y a ces mythèmes, il y a ces éléments qu'on retrouve, et c'est ça que moi j'étudie. Je ne fais pas juste de la comparaison en disant « Ah tiens, il y a des loups par là, ça ressemble, vas-y, c'est bon ». Non, il faut aller vraiment dans la structure, dans un faisceau d'indices, et donc je vous parle donc du loup, du souffle du loup, de cette notion de son ou d'expiration, et de cette notion de germination, ou dans tous les cas un lien avec l'agriculture, ou le lien de la vie, quelque chose qui a attrait à ce type d'énergie-là. Voilà. Donc, on va ensuite plonger dans le monde hellène. Alors, le monde gréco-romain, il est peuplé de syncrétisme, il est peuplé d'associations d'images, ce qui le rend extrêmement difficile d'accès, puisqu'on a tendance à se dire « Ouais, ils portent les mêmes noms sur 100 ans, ça doit être les mêmes choses ». Non, en fait, c'est des cultes qui ont énormément voyagé, qui se sont étendus tout autour du bassin méditerranéen, du nord comme au sud, et ils ont fait des syncrétismes, c'est-à-dire qu'ils ont intégré en eux des cultes venus de déités étrangères, et pour certains aspects, sont liés à des trucs préhistoriques. Alors, pas tous, et puis il y a parfois des sacrés micmacs où c'est complètement illisible. C'est pour ça que c'est vraiment un monde qui est dur d'accès, et il faut s'accrocher quand on a envie de se plonger à l'intérieur de ces mythes, parce qu'ils sont hyper hermétiques, non seulement parce que la langue, on le dira jamais assez, quand j'ai bossé sur Pythagore avec le dorien, c'est un dialecte spécifique, c'est pas simple, et on a tendance à le voir parce que c'est ancien comme un truc vachement lisse. Oui, c'est le monde gréco-romain. Non, c'est hyper complexe à travers le temps, à travers géographiquement les variations des coins. On a des trucs vraiment spécifiques. Et cet Hermanubis que vous voyez à droite, c'est l'incarnation de ces fameux syncrétismes dont je vous parle là. Qu'est-ce que c'est? C'est le mélange de la déité entre Hermès, qui est donc appartient au panthéon gréco-hellène, et Anubis, qui est un dieu dont on le sait, il appartient au panthéon égyptien. Pourquoi est-ce qu'on a des trucs pareils? Parce qu'on a, je l'ai beaucoup expliqué dans l'émission sur Pythagore, on a quand même des rapports intenses, à la fois culturels et commerciaux, entre le nord et le sud de la mer Méditerranée. À partir de là, il y a des échanges aussi spirituels. Mais d'ailleurs, on les a longtemps cartographiés comme des échanges. C'est pas des échanges, c'est des réagencements, des retrouvailles d'anciennes cultures qui se sont retrouvées séparées à un moment et qui retrouvent leur point de connexion. Et c'est ça qui est hyper important aussi quand on voit qu'il y a eu ces tentatives de syncrétisme. C'est pas seulement pour se dire « Ouais, on a une religion commune et on va pouvoir faire la paix, on s'entendra, on sera potes. » Non, ça va plus loin. Ils ont réalisé, dans certains cas, que des divinités, elles avaient forcément des liens avant même leur civilisation, et c'est déjà un thème qui est abordé par des chroniqueurs, on le voit contemporain, donc déjà au 5e siècle avant notre ère, c'est des gens qui disent « Mais attendez, on voit bien que Horus, Apollon, il y a des trucs à voir. » Imaginez, des gens à l'époque, même si on parle d'érudits, ils avaient déjà cette notion de comparaison, et ils n'étaient pas là dans un cadre de propagande politique pour créer de la paix ou des liens artificiels. Donc ce qu'on voit... Si je résume, ce syncrétisme, c'était une manière de boucler la boucle et de refusionner deux entités, deux images qui avaient la même origine. Exactement, c'était une volonté non seulement de pacifier les rapports sociaux, mais également de faire lien, de faire sens et de montrer qu'il y avait un ferment bien avant cette histoire-là. À l'époque, ils ne l'appelaient pas la préhistoire, mais ils auraient pu dire ouais, il y a un ferment préhistorique dans nos croyances. Et on le voit parce que déjà à l'époque, il y a
déjà une dichotomie, une déformation, si l'on peut dire, de la perception du loup-garou. Qu'est-ce qu'on a? On a l'archétype du roi Lycaon, qui est regardé comme le premier loup-garou, à tort, bien évidemment, vous allez le comprendre, qui est le premier loup-garou mythologique. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un châtiment, cet homme. Il est transformé pour des raisons, bon, je ne veux pas vous faire tout le récit, mais après avoir commis un sacrilège, un tabou, il est transformé en homme-loup. À partir de là, on est dans une vision tardive, on est déjà dans une vision punitive de la condition du loup-garou, alors qu'on l'a bien compris jusqu'ici, on est face à des gens qui sont dévoués à la cause, qui sont dévoués à la paix, ils sont pas du tout normalement châtiés, c'est un honneur que de devenir un loup-garou. Et là, on le retrouve notamment dans l'influence des Goès. Les Goès, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai parlé d'Abaris le Chite, vous retrouverez ça, cette mention à la fois dans La Déesse Cachée et dans l'émission sur Pythagore. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui était adepte d'un culte où justement les sorciers, peu importe le nom qu'on veut leur mettre dessus, ce sera jamais le bon, les Goès, se transformaient en loup. Ils avaient cette capacité, ils étaient liés à l'imagerie du loup. D'ailleurs, dans la culture chiite, on retrouve de très belles représentations du loup. On voit à quel point il avait une place essentielle dans leur culture. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est arrivé de manière complètement distordue parce que déjà à l'époque, les Grecs, quand ils voyaient un Goès, ils disaient, oh là là, c'est une espèce de vieux prêtre un petit peu rétro, là, ils font des trucs bizarres, j'aime pas trop ça, ils ont l'air un petit peu bestiaux. Et c'est ça qui est rigolo parce que déjà à l'époque, pour eux, cette transformation en animal et tous ces cultes, c'est déjà vieux, c'est déjà bizarre, et le sens paraît être totalement étranger, bien que ça fasse partie intégrante de leur culture. C'est là qu'on voit la trace de ces évolutions et cette perte de sens qui est très progressive, très étalée dans le temps. Et si jamais le sujet, voilà, des pythagoriciens vous intéresse, et notamment leur lien avec l'ordre des loups-garous, je vous conseille la lecture soit de La Déesse Cachée, soit le visionnage des émissions qu'on a pu faire à ce sujet sur Nuria TV. Ça c'est dit, oui. On rappellera jamais assez. On va pas répéter tout ce qui a été dit précédemment dans les émissions. Donc n'hésitez pas. Et puis bah n'hésitez pas surtout la lecture. On parlait des livres tout à l'heure. Ça c'est la priorité. Bah, ça permet de maintenir cette connaissance vivante parce qu'elle est rentrée en sommeil pendant quelques siècles. Il est fort à parier qu'elle retournera après moi et après d'autres en sommeil. Et si on veut que ça survive, encore une fois, on est chacun responsable du maintien en vie de notre patrimoine culturel. Et si on n'y participe pas, ne soyons pas étonnés de nous retrouver amnésiques après. De Tout à la même fait. manière. Merci Guillaume. De la même manière, je vais rebondir sur l'amnésie. Regardez cette représentation. Donc ça, on est face à un personnage qui apparemment tient une chouette, un sceptre, présente un sein dénudé et porte un masque de loup. Alors je vous le dis en mille, forcément ça a été référencé dans une annexe d'un musée et ça a été caractérisé de pseudo-hermanubis, donc bien le syncrétisme qu'on a évoqué dans un premier temps au-dessus. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi Hermanubis, soudain, il se retrouve affublé d'un sein, c'est absolument magique, et qui porte une jupette typique d'Artémis. Donc, a priori, dans l'interprétation que j'en fais, vous allez voir, on va retrouver des éléments qui vont dans le sens un peu plus loin. C'est Artémis, la sœur d'Apollon, qui elle aussi est caractérisée comme une déesse louve, qui est la patronne des loups-garous, et qui là est présentée avec sa chouette, avec sa jupette, avec son sein dénudé classique, et avec son masque de loup. On voit à quel point, même encore aujourd'hui, il y a une difficulté à vouloir associer la femme ou les déités femmes avec cette imagerie du loup-garou. Il y a cette impossibilité, cette incommunicabilité, comme si on avait décidé que bah, c'était un bon truc de bonhomme, cette histoire de métamorphose en loup, alors que qui c'est qui se métamorphose, hein? Franchement, tous les mois, j'ai envie de vous dire, mesdames, soyons C'est vrai. fiers. Voilà pour ce qui était des syncrétismes et de la perte de sens. On voit à quel point bah, c'est super facile de se perdre dans l'interprétation des choses. Là, je vais vous proposer, ça y est, un petit voyage ensemble en Égypte par rapport aux pistes qu'on peut retrouver sur les loups-garous. Parce que oui, on retrouve la trace quelque part de loups-garous en Égypte. C'est vraiment un sujet qui mériterait une analyse. On pourrait y passer des heures, des vies. Ce qui est hyper important que vous juste devez garder à l'esprit, c'est que les références et les sources auxquelles je fais allusion, ce n'est absolument pas la religion d'État telle qu'elle est perpétrée dans le contexte de l'Égypte pharaonique et donc de sa religion d'État. On est, quand je fais référence à ces loups-garous, donc à ces fameux Shemsou, les suivants, qui sont vraiment des icônes hyper intrigantes dans le contexte de la mythologie égyptienne. On est sur quelque chose qui avait déjà perdu du sens à l'époque où on rentre dans ce qu'on appelle bah, l'histoire, où il y a des traces historiques. Ils sont déjà à l'époque en train de se dire, mais je ne comprends pas
Qu'est-ce que c'est que ces témoignages de ces guerriers-loups? Pourquoi il y a des guerriers-loups avec un type qui vit dans une lagune? Le type qui vit dans une lagune, je vous le donne en mille, c'est Osiris. Et déjà, à l'époque, au niveau de la religion d'État, on voit qu'il y a une volonté de lisser cet aspect-là parce que c'est tout est étrange. On est face à des symboliques étranges. Quand je vous dis étrange, certains sont peut-être familiers avec la représentation de la chasse sauvage. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un archétype de conte qu'on retrouve à la fois chez les frères Grimm et un peu partout sur la surface du globe. On a cette idée que pendant une nuit ou pendant des nuits au cours de l'année, il y a toute une cohorte, qu'elle soit guidée par un homme ou par une femme, qui sont des espèces de chasseurs, de morts-vivants, de cavaliers de l'apocalypse, qui peuvent chasser tant le gibier que les hommes et qui sont absolument terribles. Mais il y a cette notion en même temps que c'est eux qui sont porteurs du souffle de la vie et que si la chasse sauvage ne passe pas, il n'y aura pas de montée du grain, il n'y aura pas de gibier, ça sera en gros la fin du monde. De la même manière, dans l'Égypte pré-pharaonique, il existe des cultes qui sont absolument parallèles. Et quand je vous parle de ça, c'est qu'en fait, on pousse pendant le couronnement du pharaon, le pharaon à traverser certaines lagunes, de la même manière qu'Osiris est réputé l'avoir fait, et à accomplir une sorte de rituel semblable à la chasse sauvage, accompagné de fidèles guerriers Shemsou, donc de guerriers loups qui portent des masques de loups, des effigies, des peaux de loups. On a vraiment des références sans arrêt aux loups. Et on constate, à partir de là, et même si simplement rien qu'à l'étude des frères Grimm, on comprend qu'il y a un ferment hyper ancien dans ces archétypes de contes-là, dans ces mythèmes, on le voit là, puisque c'est épars dans le temps et dans l'espace, ça plonge ses racines extrêmement loin. Donc l'occurrence des Shemsou, pour moi, et je le détaille vraiment à la fois dans La Déesse Cachée, et Anton a prévu de le détailler dans La Chute d'Éden, de manière vraiment extensive, il y a des liens hyper importants. Et c'est là qu'on voit, ça ne veut pas dire qu'on va tirer la conclusion que ce mythe des loups-garous vient d'Égypte, ça veut seulement dire qu'il y avait des choses partagées et qu'après ça s'est diffusé. C'est ça que je vous invite à vraiment comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans la culture égyptienne? Parce que comme je vous l'ai expliqué déjà, à l'époque pharaonique, ils sont en train de se dire qu'ils ne comprennent pas trop ces cultes anciens, que c'est assez bizarroïde. Ils sont eux-mêmes en lutte avec des populations qui utilisent les symboles du loup. Et je parle de qui? Je parle des Blémis. Alors, a priori, c'est un peuple qui s'est fait casser la figure par les Égyptiens entre moins 600, moins 300. Et ils sont réputés assez faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de tête ou que la tête, elle est dans le torse. Donc, déjà, on parle Ça, de. c'est étrange, ça. Ouais! Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, simplement, c'est une mécompréhension, c'est un abus. C'est pas parce qu'on est face à des, on va dire, des gens qui ont un problème congénito, qui auraient trop vécu entre eux, qui auraient développé une maladie. On est face à simplement un accoutrement qui fait que leur tête n'est pas visible. Et de la même manière qu'on retrouve ce témoignage chez les Samoyèdes, donc des gens qui sont complètement de l'autre côté, qui sont en Europe, qui sont réputés assez faux parce qu'ils ont un espèce de cornet comme ça au-dessus de la tête qui cache leur visage parce qu'ils vivent dans un environnement qui est extrêmement froid, donc pour se couvrir, ils font ça. De la même manière, les Blémis qui vivaient dans des aires désertiques devaient procéder de la même manière et peut-être étaient-ils également héritiers d'un code vestimentaire qui les reliait à ces fameux Shemsou, à ces fameux guerriers loups. Pourquoi? Parce qu'ils sont réputés avoir rendu des cultes non seulement à une divinité loup, mais également à une forme extrêmement ancienne du dieu Horus. Ils étaient d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on retrouve leurs traces en Égypte, admis dans certains temples, ils avaient le droit de rentrer dans certains temples dédiés à Horus pour accomplir des rituels proprement qui aujourd'hui paraîtraient déjà insensés, mais à l'époque paraissaient déjà insensés, avec des rituels où il fallait faire bouillir la tête d'un faucon. Donc on est vraiment dans la commémoration du déchirement du corps d'Osiris. On est vraiment sur donc la vénération d'une forme proprement préhistoriques de cultes qui sont pourtant encore l'apanage de l'Égypte, mais qui à l'époque déjà sont déconnectés de cette vision très route, on va dire, très ancienne. Ce que j'aimerais vous montrer par rapport à ces blémies, c'est que là, vous voyez à droite en illustration un masque articulé d'Anubis. Donc certaines fois, les blémies, on dit d'eux qu'ils ont une tête de loup, une tête de chien. Est-ce qu'ils portaient des masques comme celui que je vous propose? Après, donc il date d'environ moins 1100. Ce masque, il est réputé être celui soit d'un oracle, enfin d'une marionnette qui aurait servi d'oracle dans les temples. Moi, j'aurais tendance à le rapprocher, mais j'ai pas plus d'éléments qui vont dans ce sens. Je vous propose juste ça en guise d'illustration de ce type de personne qui était réputée assez pâle ou à tête de loup, qui peut-être avait ça simplement au-dessus de leur accoutrement et qui leur permettait de faire comme si c'était leur tête. D'ailleurs, il n'y a rien de meilleur comme feinte si on est face à des ennemis qu'on ne veut pas révéler son visage.
que de porter un masque quand on parle avec eux. C'est non seulement hygiénique, si on veut se mettre à distance, puisqu'à l'époque, je vous laisse imaginer les maladies qui se tartinaient, ne serait-ce que la tuberculose. Et ça, vous voyez, quand on veut après vous porter un coup, si on ne sait pas où elle est votre tête, vous avez déjà un ou deux coups d'avance. C'est pas faux. L'ingéniosité humaine n'a pas de limite. Exactement. Et ça aussi, c'est un point voilà, sur lequel j'aime beaucoup insister dans nos émissions, c'est que le génie humain est absolument exceptionnel. Je vous propose une illustration qui est relativement moderne, justement, des blémies, qui est une commémoration de la victoire du roi Silco sur les blémies, les derniers qu'on recense, qui sont à peu près aux environs de 500 de notre ère. Là, on voit, dans cette illustration, en bas à gauche, un blémie. Allez m'expliquer cette représentation proprement surnaturelle. On voit déjà complètement à quel point le sens des choses s'est perdu. On ne sait plus de quoi il s'agit. Et on va pouvoir enchaîner sur la représentation suivante qui se situe plus de 1000 ans après. Alors là, les blémies, on est parti en folie. Là, carrément, voilà, on représente des visages greffés sur des torses comme les fameux monstres qui sont hyper courus dans les freak shows déjà quelque part avant le temps. Il y a eu toujours cette fascination pour l'exceptionnel, pour l'horrible ou l'original, et les blémies ont fini par devenir cette espèce de poupée d'éventail qu'on agite pour dire « Oh, regardez la bizarrerie du monde !» Et c'est marrant, certes, mais en fait, ça a contribué à effacer de notre esprit tout un pan de l'histoire, cet attrait pour l'exceptionnel et le fantastique. Ouais, c'est vrai qu'on a bloqué, on a gardé des éléments... On a gardé la surface des choses et la symbolique et le sens qu'il y a derrière sont partis aux oubliettes de l'histoire. Oui, c'est assez impressionnant. De la même manière, là, on va être témoin toujours en Égypte de la manifestation des descendants des Chemsou à travers des témoignages par des chroniqueurs anciens. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est les cynocéphales sont situés en Inde ou en Éthiopie, pas en Éthiopie. Alors, mes excuses, il y a peut-être encore quelques petites, malheureusement, coquillettes qui sont restées dans ce PowerPoint, même si on met toujours tout le soin du monde à vous produire le matériel le plus fiable possible pour que vous ayez un maximum de références et que vous voyez que je ne sors pas ça de mon chapeau. Donc ces fameux cynocéphaux, qu'est-ce que c'est? C'est comme les blémies, c'est des gens qui sont réputés soit être des hommes-loups, soit avoir un visage de loup, soit avoir un masque de loup. On le sait parce qu'il y a une ambiguïté en fait dans le terme grec, parce qu'il faut savoir qu'effectivement il y a des textes d'origine égyptienne qui sont écrits en grec. On a le terme qui signifie prosopone. Le prosopone, c'est à la fois le faciès, le visage et le masque. Donc on a une ambiguïté sur la traduction et dans quel contexte il faut dire. Alors est-ce qu'ils avaient vraiment une tête de loup, ces gens? On n'a pas de quoi étoffer ça. Ce qu'on sait juste, c'est que là aussi, il y a un faisceau d'indices qui est assez clair. Ils sont associés à la sauvagerie. Ils sont associés à quelque chose d'assez primaire. Mais j'ai une petite théorie par rapport à ces fameux cynocéphaux. C'est que ce n'est pas du tout des gens sauvages. Ils se présentent sous leur aspect le plus brut, le plus brutal et le plus rudimentaire quand il y a des envahisseurs ou des observateurs étrangers pour ne pas livrer les secrets, tout simplement, de leur mode de vie, que ce soit la manière dont ils chassent, que ce soit la manière d'où ils résident, et même simplement leur manière de parler. Ils parlent, ces gens-là, et en fait, ils le cachent très très bien, on le voit, parce que on les fait passer donc pour des idiots rustres qui vivent dans des grottes. Moi, je traduis ça par plutôt, ils ont des réseaux de cavernes dont ils n'ont pas envie de montrer la complexité, et leur langage, en tout cas leur langage, qu'on appellerait ça exotérique, quand ils sont en présence d'étrangers, ressemble à des sifflements et des grognements, de la même manière que le silbo. Et là, je vous renvoie à nouveau vers tout ce qui est l'émission de Pythagore, où j'explique les origines donc, de cette langue sifflée ou grognée. C'est hyper important de comprendre qu'en fait, il faut jamais se dire, surtout quand on est dans le contexte de l'envahisseur, ah bah il rend de manière complètement impartiale un témoignage très clair de ce qu'il a vu. On le sait très bien, l'individualité nous fait rendre des comptes parfois extrêmement différents les uns des autres d'une même scène à laquelle nous avons pourtant tous assisté. Et là, il faut comprendre qu'en plus, ces fameux cynocéphaux, supposément en Inde, donc complètement donc de l'autre côté, ils sont terrifiés. Ils voient bien qu'il y a des envahisseurs, peut-être des gens qui sont en train de se dire quelles richesses on va pouvoir piller, est-ce que ces gens sont bien organisés, est-ce qu'on pourra leur casser la figure et leur voler leur baraque. Donc ils font quoi? Bah, ils font les fous, ils font les rustres, ils communiquent avec un langage exotérique pour être sûr qu'on ne comprenne pas ce qu'ils sont en train de se raconter, et ils montrent ce qu'il y a de plus féroce en eux. C'est exactement comme ça que j'aurais tendance à interpréter ce témoignage lié au cynocéphaux, où on voit bien qu'il y a la perpétuation à nouveau de certains points connexes, des mythèmes qui sont récurrents. Parce que sinon, vous voyez,
ces témoignages sur les blémies et les cynocéphaux, vous savez ce qui leur est arrivé? On les a relégués au fin fond de l'histoire. Plus personne s'intéresse à ça, à part deux, trois personnes passionnées par les textes anciens, parce qu'on se dit, mais c'est des fariboles, c'est des contes de grand-mère, pourquoi est-ce qu'ils sont allés perdre autant d'énergie à raconter des trucs pareils? C'est pas des trucs pareils, ça avait déjà un sens pour eux, ils étaient certainement déjà à l'époque en train d'essayer de remettre bout à bout toutes les infos dont ils disposaient sur des cultes anciens et d'essayer de trouver des correspondances à l'extérieur de leur culture. C'est simplement ça, faut jamais croire qu'on est les premiers, qu'on est les pionniers. Souvent dans des témoignages anciens, je vois à quel point il y a exactement des intentions similaires d'investigation, de révélation. Il y a toujours eu ça, ça fait partie de l'humanité complètement. Donc, pour vous parler un peu plus donc de l'origine, en plus des Shemsou qu'on retrouve dans l'Égypte ancienne, il y a également la présence de la supposée fille d'Anubis. Il faut comprendre que ce n'est pas à prendre au sens littéral, c'est vraiment une idée de filiation spirituelle. La déesse Kébéchet ou Kébéhout, c'est une déesse qui est liée à la libation sacrée de l'eau durant l'embaumement. Elle est représentée alternativement avec une tête de loup et une tête de serpent. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'elle porte une tête de serpent. Pour ceux qui connaissent mes ouvrages, vous verrez l'importance qu'une telle symbolique peut revêtir. Donc voilà, pour conclure par rapport au chroniqueur Élien et cette histoire de prosopone qui ne nous permet pas d'établir s'il s'agit vraiment de visage ou de casque, je vous propose ici une vue d'artiste, une reconstitution de ce qu'auraient pu être ces casques à tête de loup qui auraient servi d'élément de reconnaissance à ces peuples qui portaient en eux l'héritage des loups-garous. L'élément qui vient conclure sur le fait qu'on a affaire à de vrais humains, et pas telles que les descriptions qu'on vient de découvrir, qui se rapprochent plus de l'animal et d'un bipède exotique, on va dire, que d'être humain avec un accoutrement qui vise, comme tu nous l'as décrit, à provoquer un effet chez celui qui les rencontre. C'est ça, et toute l'ambiguïté de la question du déguisement ou de la dissimulation, elle est vraiment au cœur des témoignages des chroniqueurs, parce qu'on le voit non seulement donc dans cette histoire de Cynocéphos, mais également dans les témoignages qui ont attrait avec les Blémis et d'autres peuples similaires qui vivent en Éthiopie et qui sont troglodytes. Ils sont bien souvent non seulement comparés et associés à des loups, mais également aux serpents. On dit d'eux que ce sont de véritables serpents, des reptiles agiles. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, de vocabulaire en lien avec le reptile ou le serpent qui sont associés à ces créatures-là, qui sont souvent même décrites comme des hybridations non humaines. On les soupçonne d'être les enfants d'hommes qui auraient couché avec des singes, des loups, des serpents. Il y a tout ce questionnement par rapport à l'hérédité. Mais d'où viennent-ils? Ils n'ont pas l'air humain. Je suis pas là pour vous dire que c'est des vrais hybrides, des manipulations génétiques ou je sais pas quoi. Je suis juste en train de vous dire que déjà à l'époque, sur des vieux témoignages, ils sont en train de se poser la question de comment ça se fait qu'une telle créature existe. Alors on peut toujours se dire que la différence fait qu'on a tendance à déshumaniser l'étranger, l'exotique, celui qu'on ne connaît pas. C'est possible, hein. Il y a des super témoignages dans ce sens-là. Je ne vous revends pas L'étranger de Camus ou tout autre grand classique qui traite de la question de la différence, ou même Boule de Suie, qui est vraiment, même si on n'est pas sur la différence, on est là sur la différence de classe, mais on est, depuis le début de l'humanité, complètement sans arrêt à chercher des poux, à faire qui c'est qui est le mieux, etc. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont ce faisceau d'indices qui est quand même très spécifique, des hommes-loups liés au caractère lupin, sauvage, et qui vivent dans des grottes, et qui ont un rapport avec le serpent, qui sont agiles, qui sont forts, etc. Donc, chacun tire les conséquences qu'il souhaite. On n'est pas là pour parler spécifiquement de ce sujet ce soir, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un ensemble de faisceaux d'indices à ce sujet. Donc, on va plonger dès à présent vers un sujet qui est plus, enfin, vers toujours les loups-garous, mais vers des origines qui sont plus anciennes. Maintenant, je vous invite à nous suivre dans ce voyage en Mésopotamie. En Mésopotamie, il est question des loups, des guerriers loups, des loups-garous, et ça, c'est quand même assez unique. C'est une petite surprise que nous a réservé, enfin a réservé à Anton Parks les traductions de matériel cunéiforme, et c'est quelque chose d'hyper important. Là, je vous cite ne serait-ce qu'un proverbe qu'on retrouve qui dit « Vous ne devriez pas manger la chair d'un loup ». C'est quelque chose d'assez énigmatique, parce qu'a priori, on ne voit pas pourquoi, il n'y a pas spécialement de raison, comment dire, médicale, contrairement à la consommation de viande de porc ou d'autres viandes, ou pourquoi est-ce que ce gibier-là devrait être proscrit. C'est assez mystérieux. Est-ce qu'il est peut-être question plutôt du fait de ne pas devoir tuer, de ne pas devoir porter la main sur un guerrier loup? Parce que ça, c'est quelque chose qui se retrouve également dans ce qu'on appelle des proverbes, dans des collections de proverbes. Là, d'ailleurs, vous avez la référence, vous pouvez aller les investiguer vous-même. Plusieurs fois, il est dit, il ne faut pas tuer les loups.
pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas tuer les loups? C'est quand même les premiers prédateurs qui s'attaquent comment on appelle ça, Au bétail. au bétail, je te remercie. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas les tuer? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de parler d'autres personnes? Il y a quand même des traces de sentences de personnes qui ont été coupables d'avoir tué des loups. Et on se demande, mais comment se fait-il qu'on puisse accuser quelqu'un qui défend vraisemblablement son bétail? Pourquoi sinon irait-il tuer un loup d'avoir commis un tel acte? C'est assez mystérieux puisqu'on n'a pas tout l'ensemble qui nous permet de bien comprendre, mais j'aurais tendance à dire qu'il s'agit de traces d'anciens crimes, peut-être de personnes qui auraient tué par accident vraisemblablement des personnes couvertes d'un colifichet de loup et qui pratiquaient donc ces fameux cultes anciens et qui, par erreur, croyant voir un animal, lui auraient porté atteinte. En tout cas, voilà, ça c'est une théorie que je développe. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce qu'il y a quand même d'autres éléments qui nous conduisent à investiguer du côté des loups-garous en Mésopotamie. On a notamment la fameuse déesse Ninissina-Lamashtu. Alors, je vous le dis tout de suite, là pour le coup, c'est moi qui fais un syncrétisme parce que je suis fondamentalement persuadée, au regard des caractéristiques de Ninissina et de Lamashtu, qu'il s'agit en réalité de la même déesse, une déesse très ancienne qui avait les deux polarités, c'est-à-dire qui était à la fois donneuse de vie mais également mortifère, qui ont été dissociées par les religions d'État pour que ce soit plus simple à comprendre. Pourquoi? Parce que si on garde des créatures aussi ambiguës, aussi complexes, c'est hyper difficile d'arriver à vendre une religion. Parce que oui, ça fait mal, mais c'est exactement ça déjà en Mésopotamie, tout le schwyz, c'est d'arriver à faire vivre le clergé. Le clergé vit de quoi? Des prières, des offrandes et du fait de vendre des amulettes pour se protéger du mal. Donc si on explique que, ah oh bah écoutez, c'est la vie, la déesse donne, la déesse reprend, il n'y a plus rien à vendre. Il faut comprendre cet aspect-là aussi. L'aspect mercantile n'est pas détaché d'aucune religion. Cette déesse Ninissina, qui c'est? C'est une déesse qu'on retrouve déjà mentionnée dès moins 3000 dans la liste des dieux de Phara, une liste de période archaïque. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle est à la fois associée aux soins qui sont rendus aux chiens, mais également à celui qui est rendu aux femmes, et notamment aux femmes enceintes. Elle est réputée être la déesse des lapidaires, qui aurait inventé les pierres polies, et donc elle aurait fait don à l'humanité de l'usage des forêts, et des forêts, pas la forêt, hein, le forêt, l'outil. Et à partir de là, c'est quand même une déesse qui est liée à la chirurgie. Et pourquoi on retrouve donc une déesse qui est liée non seulement aux chiens et aux femmes, notamment aux femmes enceintes? Ben c'est parce qu'elle pratique certainement des formes de chirurgie durant l'accouchement, et qu'elle préside à l'inspection, que ce soit des animaux familiers comme les chiens ou les femmes aussi, puisqu'on quand même, on a voilà, toutes des grossesses à mener à bien, voir si les enfants sont bien formés, voir quel genre de reproduction il faut avoir, voir comment la chirurgie de l'accouchement se passe. C'est des choses qui aujourd'hui sont hyper standardisées, vécues dans des lieux aseptisés comme l'hôpital. À l'époque, il faut bien comprendre que c'était quelque chose, c'était une épreuve, c'était une initiation, accoucher, c'était un moment hyper important, et il fallait acquérir de l'expérience, et certainement ces sages-femmes qui devaient ad finem exercer sur des êtres humains, elle s'exerçait au préalable certainement sur des animaux domestiques tels que les chiens. En tout cas, ça, c'est une théorie que je développe dans la déesse cachée. Quand tu as parlé de chirurgie et avant les attributs qu'on lui prêtait, notamment au niveau du forêt qui s'est rapercé, j'ai pensé trépanation en été dans C'est possible. l'accouchement. C'est totalement possible parce que c'est quand même une déesse qui est associée aussi au scalpel. Et donc, on voit cette notion de, qu'on appelle ça, de médecine qui est hyper présente autour de Ninissina. Et on sait que la perforation crânienne a été un des moyens de soigner des crises d'épilepsie ou des problèmes liés à des chutes et des commotions cérébrales pendant très longtemps. Après, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais ta théorie, en tout cas, enfin, c'est très Le élaborée. raccourci était vite fait dans ma tête. Je partage ça avec vous. J'en suis vraiment ravie. Et c'est vrai que c'est toujours important, moi je pense que les gens aussi se permettent de faire ce genre d'extrapolation. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous laisser libre cours à notre imagination de manière débridée, mais ça veut dire qu'il faut s'autoriser à des moments à penser par soi-même. Et ça ne fait pas de vous ni un complotiste, ni un doudingue, ça fait de vous quelqu'un qui pense. Et sincèrement, c'est la plus belle liberté qu'on puisse s'accorder et aussi accorder aux autres, accueillir les pensées des autres, parce que sinon on vit dans une pensée qui est complètement sclérosée et on vit seulement par des guerres de clochers. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup vous inviter, chacun des auditeurs, à réfléchir à quoi ça sert d'être dans des guerres de clochers. Je pense que c'est important que des espaces comme Nuria TV existent parce qu'ils nous permettent cette liberté d'esprit qui n'existe nulle part ailleurs. J'ai envie de dire, et je rajouterai juste modestement, à partir du moment où on ne fait pas d'hypothèse des vérités absolues.
C'est ça, tout Là, à quand fait. je vous balance la trépanation en rapport avec cette déesse, je suis totalement dans l'extrapolation, l'hypothèse, et je laisse libre cours un peu à l'association d'idées. C'est pas pour ça qu'il faut en faire des vérités à chaque fois qu'une idée comme ça sort de notre cerveau. En effet, c'est très juste. Alors pourquoi? Bah, j'ai fait cette association avec Ninicinalamashtu, tout simplement parce qu'elle présente effectivement les mêmes caractéristiques. Ce sont des déesses féminines, enfin l'autre c'est une démone, la Lamashtu. Elles ont toutes les deux une tête de loup, elles ont cette histoire de cri. Il y en a une qui crie par puissance pour exalter, l'autre qui crie et qui tue avec son cri. Donc on a un cri qui est très ambivalent, mais encore une fois, des attributs qui sont extrêmement similaires. Et à partir de là, je considère qu'il y a eu certainement une époque où il a été nécessaire de scinder les deux déesses parce que sinon c'était totalement inexploitable du point de vue religieux, tout simplement. Donc là, je vous propose à droite une amulette de protection contre la démone Lamashtu. Et voyez, recomptez avec moi, la plus vieille mention, et elle était certainement antérieure, Ninicina, c'est moins 3000. Et là, on se situe à moins 1000, ça fait 2000 ans. Imaginez qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ans déjà chez nous, imaginez chez eux. C'est pour ça que c'est hyper important de remettre en perspective les choses parce qu'on a tendance à voir le passé, c'est un bloc, c'est fini, c'était tout cohérent et c'était très facile. Non, en fait, c'est des espaces de temps que nous, on a tendance à banaliser mais qui sont hyper longs, qui peuvent amener des changements de société, des changements de perception, des évolutions de sens majeures. Donc on va retourner plus spécifiquement un peu plus sur les loups-garous pour mieux comprendre quel est le lien entre Ninicina et ces loups-garous. Ninicina, elle est aussi appelée la mère des vents, elle est associée à l'aurore, à l'aube, elle est aussi exorciste. Et d'où tient-elle ce pouvoir? Elle le tient du dieu Enki. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là dans cette histoire? Et je vous dirai, vous inquiétez pas, l'explication va venir. En fait, les loups-garous et les loups, fallait bien les faire venir de quelque part et ensemble, on va voir comment on réalisait à l'époque l'initiation d'un loup-garou, et on retrouve des éléments, fort heureusement en Mésopotamie, en Égypte et dans le monde pythagoricien, qui nous permettent de reconstituer à quoi devait ressembler cette fameuse initiation. Et pour ça, ben, on retrouve des liens avec des cultes comme celui d'Enki, et plus spécifiquement ce qui est relié à son univers qui s'appelle l'Abzu. C'est un temple aquatique, un temple souterrain aquatique, donc on est quand même sur là aussi un item, un symbole qui est assez fermé, c'est assez spécifique. Donc vous voyez à droite sur ce sceau une représentation de l'Abzu, d'un temple Abzu qui servait à rendre culte à Enki, et on voit qu'il s'agit effectivement d'un univers fermé, d'un univers aquifère, certains le qualifieraient de citerne. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est qu'on trouve littéralement la trace de loup-garou au service du dieu Enki dans un poème qui a été traduit par Anton Parks et que je vais vous proposer qu'on retrouve. Je ne sais plus s'il a déjà été publié ou si je vous fais une excuse. Sur le coup, je vous prie de m'excuser. C'est un petit blanc, mais on va au moins pouvoir avoir les éléments qui nous permettent de comprendre quel est le lien fondamental entre ces fameux loups-garous et la Mésopotamie. On va le voir un petit peu plus loin et je vous prie de m'excuser, mais ça me paraît important de vous introduire les sources préhistoriques avant pour que vous compreniez vraiment à quel point ces manifestations littéraires mésopotamiennes, elles sont déjà la transformation de quelque chose qui a lien à beaucoup plus loin dans l'histoire. À droite, je vous propose une représentation qui est vraiment très difficile à trouver. Il s'agit d'une cave sépulcrale des Guanches. Qu'est-ce que c'est les Guanches? C'est les autochtones qui vivaient sur les îles Canaries avant les conquistadors et l'arrivée des Européens. On parle vraiment d'un truc hyper ancien. Si jamais ça vous intéresse, vous verrez que, y a un lien vraiment très important entre la momification et tout ce fameux faisceau de culte lié à la déesse cachée, donc au loup-garou. Je le détaille vraiment dans la déesse cachée, je ne peux pas me lancer dans cette explication en détail ici. Ce que vous devez juste retenir, c'est qu'a priori, dans les mythes Guanches, on a vraiment la trace de l'existence à nouveau de cette histoire de corps d'élite ou de présence de loup-garou à travers la figure du loup noir qui s'appelle Irugan, qui est lié au mythique enfermement du soleil Majek, qui fait partie là aussi de mythèmes qui sont en lien avec la déesse cachée. C'est important de voir qu'il y a ces occurrences-là sur des gens qui vivaient sur une île tout seuls, a priori relativement isolés, même s'ils étaient en contact avec les Berbères ou ceux qui allaient devenir plus tard les Berbères. On constate la présence et le maintien de certains cultes et de certaines traditions dans des lieux isolés, ce qui montre bien que c'était a priori il y a très longtemps qu'on partageait le même ferment. Et quand je vous dis très longtemps, on trouve effectivement des traces dans des endroits complètement surprenant, comme le Sahara, de présence d'êtres cynocéphaux, donc d'êtres avec un visage de loup, comme on évoquait tout à l'heure, les blémies, etc. Dans le Sahara,
faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont prêté attention aux représentations très surprenantes, aussi appelées les Martiens du Sahara, etc., qui sont associés au mouvement donc des têtes boubalines. On a aussi des hommes à tête de loup. Alors, il y en a qui, effectivement, ont tendance à dire « oui, c'est des masques, etc. » J'ai pas le fin mot de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours le même faisceau de symboles. À nouveau, on est sur un homme, généralement un homme d'ailleurs, des êtres masculins qui réalisent des scènes de chasse qui sont beaucoup plus grands que les gibiers qu'ils chassent. Voyez le rapport de taille là, avec l'antilope. Il y a également des rapports de taille qu'on peut voir avec des éléphants ou des girafes. On constate que trois hommes loups suffisent à terrasser une girafe. Je vous laisse imaginer un petit peu la scène. Et on voit aussi, je ne vous les ai pas mises dans ce PowerPoint parce qu'elles sont extrêmement graphiques, des scènes d'accouplement avec des êtres humains, enfin des femmes a priori, avec des hommes à tête de loup. Et ça nous ramène à cette fameuse figure qu'on retrouve également dans l'Ancien Testament de « et les anges trouvèrent les filles des hommes à leur goût et ils s'unirent à elles ». On retrouve ça sur les traces du Sahara. Avec des bipèdes à figure de loup. C'est là, ça. Sur ces cas-là du Sahara, on n'est pas forcément dans l'accoutrement, on est peut-être sur de vraies entités à caractéristiques de loup. On ne sait pas. Est-ce que c'est des symboles parce que c'est des gens qui portaient des masques? Est-ce que c'est une manière de désigner ces personnes de manière périphérique parce qu'on n'avait pas le droit de les représenter tels qu'ils étaient? Comme on ne nous a pas laissé de traces textuelle écrite, on ne peut que œuvrer par conjecture. Ce qui est important de retenir, c'est que dans les traditions orales qui nous sont parvenues à nos jours à travers donc ce que les archéologues modernes ont appelé le Lycaon, ils l'appellent comme ça, le dieu Lycaon, il a des connexions très importantes avec le dieu Assar, donc le fameux Osiris de la religion de l'Égypte antique, et c'est à la fois ce qu'on appelle un dieu bienveillant agricole, mais également un trickster. Qu'est-ce que c'est un trickster? C'est les dieux de type Loki et compagnie qui sont là pour faire des farces à l'être humain, parfois des farces cruelles, parfois des farces initiatiques, et ce Lycaon-là, il a tout, il est à la fois l'enseignant de l'humanité, mais il est également le trublion, celui qui est l'outsider de la caste des dieux, exactement comme on le voit dans certains textes archaïques ou Enki, et celui qui révèle la connaissance à l'homme et celui qui partage l'art de la ferronnerie, l'art de l'agriculture, etc. On a les mêmes caractéristiques dans ce Lycaon, dans la tradition orale qui nous est parvenue aujourd'hui. On retrouve également des points de conjonction par rapport au fait que c'est un être qui porte une arme qui ressemble à un gourdin, de la même manière qu'Hercule est sans arrêt muni de cette espèce de batte qu'on voit souvent. Et on soupçonne qu'effectivement, il est possible qu'il y ait des liens d'une culture pré-égyptienne et de cette culture du Sahara qui partageait un ferment commun préhistorique, ce qui expliquerait après voilà, les représentations de type Anubis et Shemsou. Je vais quand même approfondir un peu mes questions là-dessus. Est-ce qu'une hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que ces représentations représentent des êtres à tête de loup, mm-hmm, et que ce soit eux qui soient à l'origine ensuite des pratiques et des ordres vouant un culte au loup, et donc ce grimant en loup? J'ai aucune raison de te dire ni oui ni non, je peux juste constater que ces choses existent. Est-ce qu'elles sont naturalistes? Est-ce qu'elles représentent des êtres qui avaient vraiment une tête de loup ou une tête difforme par rapport au visage humain? N'ayant aucune dépouille entre les mains pour infirmer ou affirmer, étant pourtant une grande passionnée hein, des anomalies, étant une personne qui a beaucoup apprécié visiter le musée du Puy-de-Trenne et toutes ces anomalies qui avaient été savamment, là aussi au XIXe siècle, compilées, je n'ai encore jamais trouvé de faciès suffisamment allongé pour prétendre faire concurrence aux représentations qu'on voit là, mais de la même manière qu'il est fort rare de trouver les fameux crânes allongés, que ce soit par bandage ou naturellement, et qui ont beaucoup été détruits, et que les seuls qui nous soient parvenus aujourd'hui soient venus d'Amérique et compagnie, alors qu'on le sait très bien, il y avait une tradition, la fameuse tradition des crânes toulousains ou des crânes mérovingiens qui ont longtemps été sur notre sol, modifié, arrangé. Donc à partir de là, ce qui me fait juste défaut pour aller dans le sens où infirmer ta théorie, c'est que je n'ai retrouvé, à ma connaissance, aucune dépouille dans ce sens. Pas d'éléments matériels pour... C'est ça. Ni de masque, et c'est là que c'est vraiment intéressant. À aucun endroit où il y a ces pétroglyphes, on n'a aucunement retrouvé un masque qui aurait pu du coup orienter vraiment la qualification de « bah oui, c'est un colifiché que les gens mettaient pour la chasse, nanana ». On n'a trouvé ni cadavre ni masque à partir de là. Donc, trois hypothèses, on a affaire à des entités non humaines, à tête de loup. Deuxième hypothèse, on a affaire à des êtres humains qui se paraient de masques et d'attributs en référence au loup. Troisième hypothèse, ces représentations sont purement symboliques
Et on n'a pas affaire à des gens déguisés, mais la représentation qu'on en donne, donne derrière le symbole un sens à tout ça. Exactement, et pour le moment, en état de l'archéologie des preuves que nous avons, il est impossible d'absolument infirmer ou affirmer quoi que ce soit. Ce qu'on peut juste, c'est développer cette théorie et constater. Vous allez voir, donc là, on se situe dans la préhistoire, on voit qu'il y a une constance de cette représentation, qu'elle est vraiment caractérisée, qu'elle a une typologie, que c'est toujours des symboles qui se ressemblent. Il y en a juste une, moi, qui m'avait beaucoup interpellée dans les Lycaons qui ont été référencés, c'est celle du Wadi Batendou. On voit d'un côté Lycaon qui est pris dans un piège, et là, il a vraiment un faciès, et c'est des représentations qui sont assez proches de. Géographiquement, il a sa tête de loup et juste à droite, c'est un autre Lycaon. Mais regardez, il a plus d'oreilles. Il a juste un visage avec comme un crâne allongé, le même qu'on voit, quasiment le même. Cette représentation de la grotte de la Marche que j'ai partagée avec vous dans l'émission, donc sur les dieux extraterrestres, c'est le même faciès. Et je trouve que c'est très intéressant de constater qu'effectivement, peut-être que là, le dieu ou la créature s'est dépouillé d'une partie de son grimage, de son déguisement et apparaît sous sa véritable forme. En tout cas, les personnes qui ont réalisé cette représentation ne sont pas là pour nous dire quelles étaient leurs véritables intentions. On ne peut que conjecturer avec les éléments dont nous disposons. Et nous savons que Lycaon est réputé par la tradition orale être un trickster, être une créature capable du don de transformation. Donc, c'est possible, peut-être. Merci pour ces éclaircissements. Dans tous les cas, ça nous permet d'y voir plus clair et encore une fois de voir que on peut échafauder des hypothèses et bien les identifier comme telles. Voilà, je vais à nouveau conclure sur le sujet du Sahara pour vous montrer par rapport au rapport de taille. Vous voyez cet homme loup trimballer ce rhinocéros à main nue. Tranquillement, hein. D'une main, les mecs allaient faire les courses, chérie, j'ai ramené du rhinocéros pour midi. Voilà, on a bien conscience qu'il est probable que ce soit pas naturaliste et à prendre au pied de la lettre, que c'était peut-être performatif, que c'était dans le but de faire des invocations guerrières pour avoir une chasse abondante, que sais-je. On n'a vraiment aucune attestation écrite de ce qu'a voulu faire l'artiste, mais ce qui est certain, c'est que quand on voit ça et qu'on considère les légendes de tradition orale qui nous sont parvenues en lien avec cette culture et cette ère géographique, on sait qu'il y avait cette histoire de dieu Lycaon, de ses adeptes qui perpétrer des chasses, de la même manière que la fameuse la chasse sauvage, qui avait des pouvoirs surnaturels, qui pouvaient absolument tout faire, et dont certains se seraient reproduits avec les filles des hommes et auraient donné naissance à des lignées d'hommes forts, peut-être des lignées royales. Donc je vous évoquais tout à l'heure la représentation de la tête de modifiée de la marche, modifiée a priori qui serait le fruit soit de l'union de ces créatures avec les humains, soit de modifications corporelles. Et là, il y en a une autre issue de la marche, mais a priori, parce que je n'ai pas retrouvé, j'ai pas eu le temps de rechercher exactement la référence de cet homme à tête de loup, on a en France, sur le territoire français, des représentations comme ça d'hommes à tête de loup et qui sont encore plus anciennes que celles du Sahara. On est sur vraiment des dizaines de milliers d'années, de la même manière que la représentation du loup évanescent de la Font de Gaume ou celle de la grotte de la Vache, moins 14 000. On a une constante représentation du loup. Et là, on ne voit pas un loup qui est terrifiant, un loup mangeur d'hommes, ou cette image d'Épinal qui nous est parvenue du loup effrayant. Il y a quelque chose de bienveillant. On se dégage de ces représentations, quelque chose d'apaisé. Et on ressent que soit c'est considéré comme l'incarnation des forces bienveillantes de la nature, soit c'est considéré dans tous les cas comme quelque chose qui n'est pas hostile à l'humanité. Alors ce qui est important, donc, comme je vous l'expliquais, c'est que ces mythes les plus anciens liés aux loups-garous, ils sont relatifs au monde agricole. Et ça, c'est une partie du sens qui a notamment été perdue, qui rend le décodage du mythe du loup-garou hyper compliqué, c'est qu'on a oublié qu'à la base, il est fondamentalement lié à l'idée que le printemps va revenir, le grain va lever, et qu'il faut donner du pouvoir à la terre pour qu'elle puisse faire monter le grain, éviter qu'il y ait des bonnes récoltes, et éviter la famine, parce que la famine, c'est la porte ouverte à tous les maux. C'est aussi simple et trivial que ça. Et pourtant, dans la mesure où on considère aujourd'hui l'agriculture comme une science, c'est pour ça qu'on n'est plus capable d'accéder à cette forme de logique, c'est parce qu'à l'époque, il faut bien comprendre que sûrement, pendant des millénaires, l'agriculture, elle a été teintée de spiritualité. Et ça, c'est un degré d'accès que nous n'avons plus aujourd'hui parce que ces techniques, d'ailleurs plus personne, je vais vous dire, s'intéresse fondamentalement à l'agriculture et c'est quelque chose peut-être qui mériterait aujourd'hui d'être réabordé, peut-être avec justement plus de conscience, plus de, comment dire, ouais, plus de préoccupations morales. Oui, réintégrer ça dans notre champ de conscience.
Voilà, exactement, pour voilà, pas mal de choses, mais on ne va pas rentrer dans les débats sur l'agriculture, ce serait long et vaste. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que cette caste des loups-garous, elle a été associée au secret de l'artisanat et plus spécifiquement à l'extraction des métaux et l'art de la forge, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on constate que beaucoup, même dans l'alchimie, de textes et de références sont liés c'est un support, la mythique mort d'un roi, le réassemblement de son corps, etc. Certes, c'est la transmission de la fameuse mort d'Osiris et compagnie, cet archétype-là, mais c'est aussi un support narratif qui nous permet de conserver comment dire, la notice, tout simplement, de comment est-ce qu'on réalise certaines opérations qui sont censées n'appartenir qu'à une élite. On retrouve finalement beaucoup plus, en s'étant reculé, une connexion entre le concret et le spirituel, l'appartenance à un ordre et la détention de savoir-faire. Exactement, Ce exactement. Et qu'on c'est retrouve aujourd'hui dans le compagnonnage. voilà, ça fait partie des éléments sociaux qui sont aujourd'hui encore héritiers de ce type de pratique, parce qu'il y avait besoin non seulement entre eux de se comprendre, les gens qui partagent un artisanat commun, mais aussi de protéger comme un secret de fabrication leurs connaissances, que ce soit des envahisseurs ou d'une tentative d'appropriation. Tout simplement, il y a aussi ces caractères matériel et prégnant qu'il faut bien se rappeler parce que sinon on a tendance à dire ouais bah il y a des mystères, il y a le monde concret, tout est séparé. Peut-être pas, peut-être que la vie en a été autrement pendant longtemps. Donc je vais poursuivre par rapport à la condition plus spécifiquement des loups-garous et comment en devient-on? Enfin, nous allons savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est transmis et en tout cas lié à l'analyse et la transmission des mythes pythagoriciens. Comment on devient un loup? On retrouve cet élément-là du plongeon. C'est un plongeon. On le retrouve à la fois dans la mythologie mésopotamienne, dans la mythologie égyptienne, dans la mythologie, si on peut appeler ça, en tout cas dans les traditions pythagoriciennes. Il y a cette notion où l'initié doit traverser un lac, doit plonger dans l'eau. Et on le retrouve notamment dans des traditions orales liées au loup-garou. On dit le loup-garou, il traverse un lac, il se change en loup, il traverse dans l'autre sens, il redevient humain. Il y a cette persistance de ce motif-là, c'est comme un baptême. Et c'est là qu'on trouve ça extraordinaire et on le sait de toute façon, la religion chrétienne s'est énormément réappropriée des symboles qui étaient païens et dont certains étaient même pré-païens. On voit donc la présence de cette nécessité d'être immergé dans l'eau comme un baptême qui fait revêtir à l'initié cette nouvelle compétence. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a plusieurs conditions. On le sait, ils sont réputés avoir des pouvoirs spéciaux, ces loups-garous, mais ils sont aussi réputés devoir disparaître. Mais quelle est cette disparition étrange des loups-garous? Bah, tout simplement, cette mise en service qui se passe sur un cycle de 9 ans, elle est là aussi branchée à un thème qui est hyper pragmatique. On va le découvrir ensemble. C'est lié au monde agricole et c'est lié à une cause essentielle pour la survie de la communauté. Donc, ce fameux baptême des loups-garous, comment et où se passait-il? On n'a pas un temple qui est estampillé avec des marques de loups-garous qui auraient pu être franchement assimilées. Ce que je peux juste vous montrer, ce sont des temples, comme je l'ai expliqué au début par rapport à la Mésopotamie et au Duenki, qui ont à voir avec l'idée de citerne, l'idée de réserve d'eau primordiale qui permet de s'immerger dans les eaux des origines et de ressortir en étant revêtu d'un pouvoir surnaturel. On a un temple qui correspond en Égypte à ce type de description. On a l'Osirion, le fameux Osirion, qui fait écho également à un autre temple qu'on retrouve en Mésopotamie, donc l'Abzu mésopotamien qu'on retrouve et que j'analyse énormément dans La Déesse Cachée. Je vous invite, si ce thème-là vous interpelle, à aller dans le bouquin pour aller fouiller tout le détail, parce que là, je suis obligée d'aller vraiment à l'essentiel. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'il a reçu ce baptême, l'initié, considéré comme faisant partie intégrante du corps des loups-garous. Et on retrouve énormément en fait de liens également avec les sirènes que je serai amenée certainement à développer dans une autre émission. Donc, bah, pourquoi j'en suis arrivée donc à cette histoire de baptême? En plus des traces dans la littérature et dans les traditions orales, vous constaterez que bien sûr pour des raisons très pragmatiques de captation de l'eau et de la répartition de l'eau, on a pas mal de temples à travers le globe qui sont liés à la représentation d'un ancien plan d'eau originel. On le retrouve jusqu'en Inde et là je vous ai proposé un exemple d'un temple indien qui est particulièrement beau, qui permet de comprendre ce à quoi pouvaient ressembler ces anciens lacs, parce qu'il faut bien comprendre que même encore en France, quand il y a eu la persistance de ces traditions, on voit encore au XIXe siècle des gens qui expliquent qu'il y a des concours, soi-disant liés à la fertilité pour les jeunes mariés ou pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'agriculture ou quoi, il doit traverser ou sauter par-dessus une étendue d'eau ou la nager.
c'est certainement lié à ce type de rituel qui devait se placer dans ce type de temple et qui, au fur et à mesure de la déperdition et de la destruction de ce patrimoine, s'est transformé, s'est adapté en autre chose. Évidemment, l'eau, ça représente beaucoup de choses. Ça représente, comme je vous ai dit, la matrice originelle, ça peut représenter la vie intra-utérine, ça peut représenter l'énorme océan qui gît sous nous à l'intérieur de la Terre, ça peut représenter énormément de choses, ça peut également représenter la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et petit à petit, on voit que dans les différentes cultures, cet océan, bah, ou cette étendue d'eau sacrée s'est transformée simplement en creux, en marée, et on la voit vivre notamment ce creux plein d'eau à travers les cultes du Kataborton qui sont liés à l'Apollon Lykaios, donc l'Apollon loup dans le monde grec. Et on voit qu'effectivement, bah, petit à petit, déjà à l'époque gréco-romaine, c'est devenu un reliquat, c'est devenu autre chose que ce que c'était à la base. Donc voilà, je vous propose ici une représentation du dieu loup, le fameux Apollon Lykaios, à droite, que vous pouvez retrouver. Et on voit bien, là c'est nommément écrit, que c'est dédié à cet Apollon-là, à cet Apollon loup, qui est une manifestation donc, de ce fameux loup-garou proto-historique qui nous vient de la préhistoire et qui est totalement en lien, déjà pour les chroniqueurs de l'époque, au sein de la Grèce antique, au dieu Horus égyptien, mais également au dieu Horus égyptien, puisqu'il est la forme renaît de son père Osiris. Et on est encore à nouveau donc dans cette histoire de rite autour de la résurrection, suite au fait de traverser de l'eau ou de revenir du monde des morts. Ce que vous pouvez voir là, c'est d'autres traces au niveau de, comment on appelle ça, de la numismatique, pour vous montrer que Apollon Lykaios, c'est un culte dont on a perdu la trace au sein de l'histoire, mais qui a été bien vivant. Suffisamment vivant et suffisamment sensé pour qu'on le retrouve non seulement sur des œuvres d'art, mais aussi sur des pièces de monnaie. Donc ça veut dire que c'était quand même un symbole pas si marginal que ça, c'était quand même un élément qui était partagé. Dans la déesse cachée, c'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'on lève le voile sur les agissements des loups-garous grecs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Je détaille vraiment explicitement tout ce qu'il y a à savoir sur ça. Mais ici, aujourd'hui, dans cette émission, je vais quand même vous livrer la fameuse réponse de pourquoi le loup-garou disparaît et pourquoi il y a un cycle, c'est un rite de régénération. On va se dire, mais est-ce que c'est encore spirituel? Non, c'est fondamentalement pragmatique. Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant ces 9 années, cet initié? Il part à la rencontre d'autres communautés qui pratiquent les mêmes cultes. En fait, c'est 9 années qui correspondent à une mise en jachère. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le loup-garou est initié, il traverse son étendue d'eau, il est considéré comme rené sous la forme d'un loup et il disparaît. Il est envoyé en quête pour aller chercher d'autres grains pour revivifier les cultures. Pourquoi il fait ça? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu de vue aussi, c'est qu'on a besoin de renouveler les semences, sinon qu'est-ce qui se passe? Il y a une adaptation, il y a des maladies, il y a quelque chose qui se passe toujours. Pas bien, il faut renouveler les semences. C'est hyper connu. C'est comme la consanguinité entre êtres humains, on n'est pas censé fonctionner comme ça. À partir de là, il y a cette notion d'échange avec des communautés lointaines. Et ça fait partie de la mission primordiale de l'initié loup-garou, c'est arriver à faire l'échange des semences agricoles pour qu'il y ait la perpétuation de semences qui soient fortes et renouvelées. Donc on voit sur cette pièce-là un buste drapé, supposément d'Amazone, donc d'une femme qui porte une coiffe en peau de loup et qui serait donc le symbole de personnes qui pratiquaient elles aussi ce type d'échange, ce type de rite agraire. C'était une manière de montrer à travers ces symboles le fait qu'on participait à ce type de rituel. Et donc, durant 9 ans, ces initiés allaient de groupe d'initiés en groupe d'initiés et échangeaient. En gros, c'était un réseau, comme on trouve aujourd'hui, d'échange de graines. C'est Cocopelli version antique. Alors, je ne savais pas, pourtant, bon, je pratique un peu l'agriculture. Quand je dis ça, j'ai fait du jardinage. je ne savais pas qu'il fallait qu'il y ait un renouvellement des graines. Souvent pensé qu'il fallait faire grandir ces graines et les sélectionner pour qu'au fur et à mesure elles soient adaptées à un écosystème, mais qu'il fallait un brassage de la même manière qu'il faut un brassage génétique pour les espèces animales ou humaines. Moi, je ne savais pas que c'était, il y avait une utilité là-dedans aussi.
Il peut y en avoir une en effet, parce que sinon, si on reste trop, alors il y a deux choses qui peuvent se produire quand on reste trop sur le même lieu. Il y a l'hybridation qui peut arriver, un grain peut évoluer et mal tourner. Enfin, là, on parle surtout en fait de l'agriculture qui est autour de la céréale, mais en fait, ça peut se passer sur pas mal d'autres choses. Je l'avais expliqué notamment sur silphium, le silphium en tout cas antique, qui a une spécificité qui est telle qu'il est extrêmement mutable, et comme il est mutable, il perd donc son principe actif. Et de la même manière, en fait, le grain peut subir potentiellement la même chose, et ça permet en plus non seulement de maintenir des contacts avec d'autres personnes à l'étranger, et donc de créer des réseaux paisibles d'écoute, d'échange et peut-être de tractation qui peuvent être parapolitiques et qui peuvent aider à apaiser des conflits. En tout cas, là, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de lettres qui vous prouvent qu'effectivement il y a eu ce type d'échange. C'est juste que par rapport à tout le faisceau d'indices qu'on va explorer ensemble, que je présente au niveau du corpus littéraire, ça semble orienté vers ce type d'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pendant l'élection du nouveau prêtre de l'Apollon Lykaios ou de l'Apollon tout court? On constate qu'il y a une remise en scène de la mort du fameux dieu Osiris, ou en tout cas de la mort telle qu'elle est décrite on va dire dans les versions les plus anciennes de ce mythe. Ce qui se passe, c'est que on a toute une, en fait, le corps de l'ancien, enfin les anciens dépositaires du pouvoir se retrouvent dans une cabane aménagée dans un champ. À nouveau, on est dans l'univers céréalier, et sur ou alors sur l'emplacement de l'aire abattre le blé, le fameux chemin de Calade. J'en parle beaucoup dans La Déesse Cachée. Et au milieu de la nuit, par surprise, c'est très conventionnel puisqu'il s'agit d'un rituel, il y a une attaque qui est menée par le cortège des personnes qui veulent prendre le pouvoir, mais tout ça est très ritualisé puisque c'est convenu comme ça. Et la fin est écrite puisque c'est censé refaire la mort du dieu Osiris. On tue l'ancien prêtre, que ce soit symboliquement ou physiquement, et le nouveau prend sa place. Alors on ne sait pas par rapport au texte qu'on a pu retrouver si c'est une vraie mise à mort ou s'il s'agit simplement d'une mise à mort rituelle, spirituelle, pour que la personne ne puisse pas renouveler son mandat, tout simplement. Je pense qu'on est simplement dans la manière de conjurer, comme on a aujourd'hui dans notre constitution l'impossibilité de cumuler, je crois, plus de 3 mandats consécutifs en tant que président. Je pense qu'on est deux maintenant, de passer à deux. C'est bien deux. Merci. Oui, c'est largement suffisant. On a cette idée que, à mon avis, ils essayaient de résoudre des problèmes aussi extrêmement matériels avec le support symbolique de la mythologie, des rituels, mais il y a la résolution de problèmes fortement concrets. Et de quoi ils s'inspirent, ces rituels? Parce qu'ils ont l'air complètement arbitraires et farfelus. On les retrouve dans un texte qui a été baptisé version archaïque de la mort d'Osiris dans les textes traduits par Anton Parks. Alors, vous avez exactement la référence là dans le slide qui se propose à vous et que je vais vous lire. Donc, on est sur une tablette qui a un numéro, qui a été daté. Si vous souhaitez vous-même pouvoir peut-être un jour la traduire ou investiguer de ce côté-là, vous êtes libre. C'est toujours ça l'avantage avec les travaux d'Anton Parks. Si vous avez quoi que ce soit à dire à leur sujet, vous pouvez toujours y aller vous-même. Exactement. Et je pense que c'est important parce que tout le monde ne fait pas cet effort. Soit dit en passant, donc il s'agit probablement d'une version extrêmement archaïque du meurtre d'Osiris, donc de cette idée de résurrection, enfin de mise à mort rituelle et de résurrection. Et l'interprétation qui a été faite de ce texte, c'est qu'il s'agit vraisemblablement d'une sorte de pièce de théâtre rituelle, c'est-à-dire à nouveau, on est là non pas dans la description d'un événement historique, mais dans la volonté de transmettre un épisode, notamment on dirait qu'il y a des didascalies, ce qui avait vraiment été interpellant dans ce texte-là, je ne les ai pas mises, mais des didascalies, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans un texte de théâtre pour dire, bah là, l'acteur doit se mettre à droite, l'acteur parle Oui, fort. là on voit, c'est le héros de la déesse qui parle. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, Ah, c'est pour d'accord, que vous le autant pour moi. précisiez. La Sainte Damana, c'est tout ce qui est entre parenthèses, ce sont des ajouts de ma part pour pouvoir faire de la lisibilité, de la même manière que ligne 9, ligne 11, etc. Tout ça n'est pas présent dans le texte originel. Il y a des moments où effectivement ça se répète, etc. Et c'est là qu'on voit qu'il s'agit de didascalie, comme s'il s'agissait de mettre l'accent sur des choses. Et quand on l'écoute, ce texte, on voit bien qu'il a pu s'agir de théâtre sacré. C'était une méthode qui était vraiment utilisée pour, comment dire, initier la population aux choses. Parce que c'est comme, vous voyez aujourd'hui, la messe. On se dit, ah bah c'est la messe, tout le monde y va, c'est pour ça qu'on connaît l'Ancien Testament. Bah non, dites-vous bien qu'il y a déjà eu une période de l'histoire où la messe, elle était dite en latin. Il n'y a personne qui comprenait le latin, en tout cas dans les campagnes. Donc ils allaient juste, en fait, pour se faire sériner, pour entendre un truc qu'ils comprenaient rien, leur faire manger un bout de pain, et youpi, repartaient au travail tout aussi sec en leur disant, de toute façon, on a raison, si c'est en latin, vous comprenez rien. Et ça,
C'était vraiment une version qu'on a complètement oubliée de la vie spirituelle des gens. Et là, à l'époque, faut bien comprendre qu'on est face à une population qui est essentiellement illettrée, qui a peut-être été conquise par des envahisseurs, donc à qui il faut communiquer une nouvelle forme de spiritualité, celle qui est donc au cœur de la Mésopotamie. Et là, donc, ils font des scènes de théâtre forcément sacrées ou des moments de festivité autour desquels ils commémorent des moments comme celui-là qui est très spécifique. Donc, je vous le lis. À l'embouchure, près du mur et du tronc d'arbre abattu, tes agneaux sans mère poussent un cri pour réduire la douleur. Dans l'Éden souillé, tes guerriers loups, c'est écrit tel quel, hein, diminués, poussent un cri pour réduire la douleur. Là, j'ai rajouté la sainte dame Anna du temple, la dame du temple, la place d'eau, en témoignage durable, pleure dans la peine la disparition de l'onction. Je suis coupé en morceaux de paille, je suis transporté sur le chemin de la place du monde inférieur, découpé et offert au ciel, la veuve protège et élève l'âme. Le grand démon l'avait encerclé. Donc on parle bien du héros de la déesse qui vient de se faire tuer, donc du proto-Osiris, manifestant, un malaise dans l'eau. Il s'est étendu en offrande au ciel comme un cadavre. Donc on est bien, là on a tous les éléments sur l'idée de la mise à mort rituelle d'un homme, ce fait d'être découpé en morceaux qu'on retrouve dans la tradition orphique, qu'on retrouve dans la tradition osiriaque, le fait de voir que ce sacrifice, plus tard dans le texte, il emmène à une résurrection par la suite, de voir des gens en deuil, bon je ne reviendrai pas sur l'histoire de la Damana, etc., c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il est question de guerrier loup, c'est littéral, c'est écrit comme ça, et c'est quand même quelque chose qui est très surprenant, et il y a une mention dans le texte que j'ai pas mise qui est venez et écoutez. Et je suis prête à parier que venez écouter, ça s'adresse à ces fameux guerriers loups ou à ces gens qui vont être initiés à ce culte proto-loup-garou, qui vont recevoir cet enseignement et ce rituel et cette commémoration de la mort de là du coup du proto-Osiris. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a un texte, peut-être un texte cérémonial des anciens loups-garous qui nous est parvenu à ce jour, et c'est très certainement celui-ci. Alors, là, on est remonté très très loin dans le temps pour trouver une trace, et en plus de manière nominative de ces fameux guerriers loups. Exactement. Et là, on peut voir, je vous propose dans ce slide une représentation donc de ce dieu quand il est dans cette stase, dans cet état de mort, dans son abzu souterrain, dans ce temple aquatique, le dieu Enki, qui est représenté sur un seau cylindre d'environ moins 2800, moins 2500. Regardez à nouveau les dates qui séparent. Il y a presque 1000 ans qui séparent ce seau et ce texte qui nous est parvenu. Imaginez la témérité qu'il a fallu, la constance qu'il a fallu pour maintenir à flot ce type de tradition qui après s'est perdue, s'est retrouvée transformée dans le temps. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une scène de rituel. Je ne vais pas revenir sur l'arbre, on le retrouve, voilà, je le décris assez bien. Le fameux arbre dont on a parlé déjà plusieurs reprises. Voilà, l'arbre de vie, je vais pas revenir là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de faire voilà, le lien entre l'agriculture, la renaissance, la vie. Et ce dieu qui doit être appelé à être ressuscité. Alors après cette initiation au mystère de la mort et de la résurrection de leur dieu, les loups-garous sont en tout cas très certainement envoyés en mission. Et cette mission, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse disparition de l'initié qui disparaît pendant 9 ans. Pourquoi 9 ans? Parce que c'est trois périodes d'assolement triennal. C'est une méthode tout simplement de mise en jachère. Alors j'ai bien conscience que la mise en jachère, elle est attestée textuellement qu'à partir du Moyen Âge et qu'on a une notion que l'agriculture, au maximum, elle date de moins 10 000. Mais en réalité, on ne sait pas si les personnes qui pratiquaient peut-être une vie de chasseurs-cueilleurs pratiquaient peut-être une agriculture semi-nomade à la manière des Phéniciens qui laissaient derrière eux des vergers ou des oliveraies et qui venaient régulièrement après cueillir. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette vision-là? A priori, rien du tout. Et c'est ce sur quoi moi j'appuie cette proposition de disparition du loup-garou. Il part à la recherche d'autres personnes qui peuvent échanger avec eux des semences, des graines, etc. Et il revient ensuite comme un rituel de résurrection, de réapparition de son dieu auprès de sa communauté d'origine pour apporter les semences revivifiées. Donc on peut voir là une représentation à nouveau d'un homme-loup, toujours armé de cette espèce de gourdin ou de batte à la manière d'Hercule. Hercule, je dirais jamais assez qu'il y a des parallèles énormes à faire avec le dieu Horus égyptien. On voit qu'il y a cette notion sans arrêt de d'homme-loup, d'homme fort qui est là pour transmettre la vie, faire triompher la vie, faire triompher l'humanité par-dessus le chaos et par-dessus le côté très arbitraire et aléatoire de l'agriculture. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, cette idée de rencontre des communautés sœurs, elle est notamment aussi attestée par l'idée que cette iconographie, comme je vous présentais, du loup, elle a une certaine constance.
Elle a une constance non seulement dans le temps, mais également dans l'espace, ce qui fait et qui permet de comprendre que c'est certainement quelque chose, un ferment qui est ancien, un ferment qui est vivant et qui a été balayé très tardivement aujourd'hui par les émergences des monothéismes qui ont eu envie de couper court à ces anciens systèmes d'échange, de tractation, pardon, certainement des choses qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de réseaux de solidarité. Le fameux réseau dont on parlait tout à l'heure, et qui perdure encore sans masque de loup. Exactement. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre que voilà, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est qu'on est sur l'idée d'une protection de la biodiversité, d'un maintien de l'agriculture. Et je sais à quel point ça, c'est une proposition qui, a priori, n'a jamais été faite par rapport à l'identité réelle des loups-garous, où on est plutôt dans l'idée que bah, c'est des créatures bestiales, des gens désorganisés qui font des trucs cathartiques, un petit peu foufou, en dansant tout nu dans les bois. Je suis pas du tout dans ce degré de lecture-là, bien que ça soit pas incompatible, hein, peut-être aussi. Mais je suis plus voilà, sur une vision assez organisée et dans l'idée d'une solidarité intercommunautaire malgré les distances. Alors, ces loups-garous, ils sont vraiment liés, donc, comme je vous l'ai dit, à une prégnance de la nécessité de faire survivre l'humanité avec des récoltes, avec cette idée qu'il faut survivre face aux aléas. Et forcément, il y a quelque chose de central au niveau de leur culte, puisqu'il est agraire, il est lié au calendrier. Et le calendrier, il a été représenté par une déesse, la fameuse déesse cachée, une déesse qui est associée à l'année, et qu'on peut retrouver là sur cet exemple numismatique où il y a Aphrodite qui est à l'envers d'une représentation d'un loup qu'on voit sur cette pièce. Ce qui est important de comprendre, et on le voit à travers l'analyse que j'en livre dans la déesse cachée, plusieurs panthéons ont assimilé à leur déité personnelle cette fameuse déesse cachée, cette fameuse représentante de l'année, du cycle régulier, du temps qui tourne, etc. Dans le contexte hellène, c'est généralement la déesse Aphrodite qui est associée à ça. Donc, c'est pas étonnant de la retrouver associée au loup dans ce contexte. On va pouvoir aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est quelle est l'origine de la force surnaturelle qui est prêtée au loup-garou? Ce qui est important, c'est de se rappeler donc le fameux exemple des Goès que j'avais évoqué tout à l'heure par rapport au monde Hélène, qui sont déjà des sorciers un peu bizarres dans le contexte où ils sont évoqués, donc vers moins 500, c'est déjà des bizarreries. Alors on soupçonne, puisqu'il y a des traces de consommation de produits qui sont nommément appelés le lait de la déesse, ou des choses qui sont similaires, des appellations similaires, on soupçonne qu'il s'agit d'une plante, vraisemblablement peut-être d'une plante psychotrope, qui était celle qui donnait la force à ces guerriers-là. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'on peut mettre sur le même plan d'égalité que le soma, l'ambroisie? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs théories, parce qu'on retrouve cette consommation rituelle de guerriers qui se transforment en animaux absolument aux quatre coins du globe. Je pense notamment au lait du jaguar noir des végétalistas péruviens ou de l'ahoma iranien. On voit qu'a priori, c'est des pratiques qui ont survécu dans le temps. Et il ne s'agit pas que de similarités, parce que c'est des gens qui consomment des psychotropes qui les mettent a priori dans un état de transe. Non, on est vraiment dans cette perspective où c'est des gens qui vont se reconnecter à un esprit animal, généralement un prédateur de type loup ou de type jaguar, et qui vont de l'autre côté, dans un autre monde, faire quelque chose, ou qui vont matériellement faire quelque chose, une opération avec une plante. On le retrouve notamment au niveau des chamans. Vous avez un exemple là, amérindien à droite. On voit un chaman qui utilise un masque de loup pour symboliser cette transformation qu'il réalise également en se manifestant à travers l'esprit du loup, qui peut parfois être interprété comme l'esprit de la création, le souffle de la création, le cri de la création. On le retrouve, cet exemple-là, jusqu'en Australie. C'est un exemple que vous pourrez retrouver référencé dans la déesse cachée, notamment, donc cette idée de notion de cri. Alors, il y a plusieurs hypothèses très intéressantes par rapport à cette plante magique. Quelle est-elle? Vous savez que les plantes magiques m'intéressent depuis que j'ai pu avoir l'occasion de vous parler de Silphium, qui fait partie de ces mythiques plantes magiques qu'on pensait être du ressort du mythe et qui en réalité se révèle être de réalité. Et ça, je trouve ça exceptionnel. On vit un moment exceptionnel de l'histoire où on peut montrer que ce qu'on considérait comme des contes de bonnes femmes, de la superstition, puis ses racines dans une réalité matérielle, c'est absolument exceptionnel. Il y a une autre théorie qui vise à dire que ce que consommaient les fameux Goès, c'était quoi? C'est de l'ergot. Parce qu'il y a donc des hallucinations, il y a tout ce côté décuplé du pouvoir de la désinhibition, on va dire. Et ben moi, j'aurais quand même tendance à dire que c'est très peu probable, parce que les dégâts irréversibles causés par la consommation de l'ergot sont quand même assez délétères sur un corps humain. Contrairement à des consommations de type de plantes éphédra, de plantes de type, pardon, éphédra, qui elles sont neurostimulantes, comportent un taux d'alcaloïde qui rend, comment on appelle ça, on rend beaucoup plus tolérant à la douleur physique, mais d'autre part, un autre principe qui est issu de ces plantes de type éphédra,
c'est la spermidine. Alors, il faut bien comprendre qu'il se pose la même question que du point de vue du silicium. Quand je vous parle des effets de rats, ça ne veut pas dire que l'effet de rats moderne posséderait les mêmes principes actifs et les mêmes propriétés. Bien au contraire, il s'agirait d'une mutation, de quelque chose qui a évolué, de quelque chose qui a été perdu. C'est d'ailleurs ce que suggèrent pas mal d'études. On suggère que l'effet de rats qui était utilisé par ces pseudo-loups-garous ou ces chamans, peu importe comment vous voulez les appeler, elle a été perdue, ce qui explique aussi une partie de la déperdition de leur culture et de leur culte. Le spermidine, qu'est-ce que c'est? C'est important parce que ça permet d'augmenter la fertilité. Donc quand on pense le lien entre le loup, l'agriculture, la fertilité, il paraîtrait relativement cohérent qu'une plante qui a toutes ses propriétés, qui en plus décuple, on va dire, le potentiel reproducteur d'un homme et la croissance cellulaire aussi, soit quelque chose qui soit au cœur de culte lié au loup-garou. Enfin, là, on atteint vraiment le summum par rapport à l'interprétation que je vais vous offrir, qui est inédite ce soir au niveau des loups-garous. C'est un principe actif dans cet effet de rat qui permet de lutter contre les maladies de type eczéma et psoriasis. Ce sont donc des maladies de peau liées à la réplication excessive de cellules épithéliales. Ça veut dire quoi? Comme si on faisait quelque part une sorte de mue qui se passerait pas mal. Il y a, je crois que 5% de la population humaine, quand même, enfin de la population tout court, qui est affectée par ça au niveau mondial. On parle donc quelque chose qui, en plus, quand on reste un peu trop entre soi, a tendance à se transmettre génétiquement. On parle donc d'une plante qui aurait un pouvoir qui concerne bien des gens qui ont une caractéristique physique qui est assez anormale. Et je vous renvoie à l'émission à nouveau qu'on a fait sur Pythagore, où j'évoque le fait que un des membres de la famille de Pythagore, ou un des, je sais plus, un des proches en tout cas, est affecté par une maladie de peau qui est très spécifique et contre laquelle il, apparemment, au fur et à mesure de sa vie, il ne trouve plus le remède qu'il avait l'habitude de se procurer, et ce qui l'entraîne, voilà, dans un problème au niveau social. Il ne peut plus se rendre au terme publiquement, il ne veut pas montrer sa peau qui est très spéciale. Donc ça ne nous apporte pas la réponse à la question que tu soulevais tout à l'heure, Guillaume, à savoir est-ce que c'est vraiment des gens qui sont avec des faciès de loup, est-ce qu'ils ont un corps spécial? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, s'ils prenaient bien cette plante issue, enfin qui va devenir aujourd'hui dans notre monde moderne l'effet de rat, eh ben, ils se soignaient vraisemblablement aussi d'une affectation cutanée très spécifique. Donc, quand on parlait des représentations, moi, j'ai toujours pas la réponse quant à vous dire est-ce qu'elle est proprement naturaliste ou quoi par rapport au Sahara. Ce qui est certain, c'est que là, je vous propose une représentation du lamphore étrusque à droite, où vous pouvez voir des loups qui se rendent sur un autel sacré et duquel ils ont l'air de chaparder ou de prendre part à un festin rituel. Est-ce que les loups des invités des temples? Est-ce que c'était à eux qu'on sacrifiait toute cette viande, toute cette quantité astronomique de choses qui étaient portées sur les autels? Mystère, c'est un des rares témoignages que j'ai pu trouver de ce type de pratique. Et ce qu'on voit aussi qui m'a beaucoup interpellée, c'est cet étrange appareil que moi j'aurais tendance à qualifier de bâton de Jacob, qui permet donc de mesurer la cinétique stellaire, qui est un outil qui permet donc de mesurer, de faire du. Simplement d'établir un calendrier qui a encore une fois un lien avec le monde agricole, et tout ça se recoupe, je trouve, assez justement par rapport à tous les postulats que j'ai pu établir entre le lien de cet ordre cultuel des loups-garous et ce lien avec la déesse cachée qui est la gardienne du calendrier. Voilà, ça s'est dit rapidement, mais Non, mais tout de suite, quand j'ai vu cette représentation que tu nous proposes, cet objet sur l'autel, j'ai pensé à des représentations identiques, enfin si, proches, qu'on avait vues lors des dernières émissions. Donc, j'espère que vous prendrez le temps, les Nuriens, si vous ne les avez pas vues, les précédentes émissions, de jeter un œil. Mais je pense même que ça vaut le coup de revoir ces émissions, au moins certaines parties, de prendre le livre aussi, La déesse cachée, l'arbre de vie, parce qu'il y a beaucoup de recoupements. Alors, je sais qu'il y a énormément d'informations qui vous sont communiquées à travers ces conférences. Moi, le premier, il faut que j'y revienne et que je reprenne toutes les références pour faire des liens. Mais là, tout de suite, ça m'a marqué, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, tiens, on est sur quelque chose qu'on a déjà vu. Et là, on peut l'associer à ce culte des loups. Donc, c'est très intéressant. merci beaucoup, Guillaume. Je reviens une toute dernière fois sur le silicium, qui est quand même l'image archétypale de ce qu'on a pu conduire à être prêté pour une légende, alors qu'à la base, c'était vraiment un produit qui a existé, qui a testé, qui aujourd'hui est en passe d'être totalement redécouvert et porté à la connaissance du public. J'ai écrit un ouvrage là-dessus que je vous encourage à vous procurer si vous avez envie de comprendre le destin particulier de cette plante magique qui a rapproché de cet effet de rat qui était utilisé par les loups-garous et qui, a priori, de la même manière, a connu un destin fatal avant de sombrer une deuxième fois dans la mort par la mort de l'oubli. On voit le lien donc entre l'image
de la cueillette sacrée et les loups-garous dans cette représentation du dieu Souchelos avec sa serpe que vous pourrez retrouver avec sa référence dans cette petite diapositive. On voit le lien prégnant qu'il existait entre le fait de récolter quelque chose de secret, quelque chose de sacré qui devait transmettre cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle est si forte et si effrayante pour le commun des mortels qui a eu besoin de lester, de détruire, de rendre impénétrables les tombes des supposés loups-garous. On le voit notamment dans les fameux bricolacas grecs, qui sont les loups-garous, en tout cas une partie des loups-garous dans la culture grecque. On retrouve des gens qui ont été littéralement ensevelis sous terre, mais c'est pas juste recouverts de terre, recouverts de gros cailloux, plantés avec des clous, plantés avec des briques, plantés avec tout un tas de systèmes qui devaient les empêcher de revenir d'entre les morts, tellement leur force vitale, elle était réputée être d'une puissance exceptionnelle. Et ça, bon bah là, on dévient tout petit peu sur mes visions, mais c'est exactement ce que j'évoque dans les chroniques de la maîtresse du temple. J'évoque le destin de créatures hybrides ou de créatures qui, même quand elles meurent, leur pouvoir de régénérescence, il est tellement puissant qu'ils se mettent un temps incroyable à se détacher du corps et qu'une partie de leur momie ou de leur supposée dépouille et continue d'être agitée de spasmes ou d'élan de vie des siècles après leur mort. Et ça, c'est une perspective qui est proprement effrayante. Alors on peut se dire qu'effectivement, bah, c'est des gens qui ont vu des spasmes sur des cadavres ou qui ont vu des trucs qui leur a fait peur, peut-être par ignorance, etc. Peut-être que oui, peut-être que non. L'absence de tissu aujourd'hui présent autour de ces corps nous empêche totalement de développer quoi que ce soit autour de ça. Voilà, donc on arrive presque à la fin. Enfin, on arrive à la fin de cette émission qui, j'espère, vous aura apporté des perspectives totalement renouvelées sur les loups-garous, de leur initiation à leur mort. Et ce, le dernier point sur lequel je souhaiterais appuyer avec vous cette émission, c'est que il y a le loup-garou, mais le loup-garou, qu'est-ce qu'il fait? Il est le serviteur d'une déesse, il est le serviteur d'une déesse qui est proprement préhistorique, qui représentait à la fois la nature, les pôles magnétiques, la maîtresse des animaux, l'année et le temps lui-même. C'est la maîtresse des métamorphoses, du grain, et c'est celle qui ordonne l'ordre. Pourquoi? Parce qu'elle a transmis la civilisation à l'être humain. C'est quelque chose de très bienveillant à la base, donc on n'est pas du tout sur l'image diabolique qu'on a voulu nous en transmettre. Le loup-garou, c'est quelque part un gardien de la paix, et il est au service d'une déité femelle extrêmement bienveillante. C'est de la même manière qu'on peut tuer dans les contes de fées les vampires et les loups-garous à la lumière. Cette déesse cachée, elle est nocturne, elle est faite d'ombre, parce que dès qu'on essaie de la comprendre, de l'analyser, bien souvent elle se dérobe à nous, elle est souvent qualifiée de radiance noire, elle est celle qui est effacée par la présence de la lumière, parce qu'elle est évanescente, parce qu'elle est impossible à comprendre, elle dépasse notre entendement. C'est un sujet que je développerai peut-être avec vous dans une émission sur les sirènes. Il faut vraiment comprendre que si on a perdu de vue ces cultes-là, c'est parce qu'ils appartiennent à un autre temps, avec des éléments de référence qui sont difficiles d'accès et qu'il y a une volonté formelle d'effacer toutes ces traditions qui ne correspondaient plus à l'ordre du jour et qui représentaient, il faut bien le dire, des réseaux d'influence qui allaient contre l'État et contre les religions qui ont progressivement pris le pas dans nos civilisations. Et ben voilà, je crois que tout est dit en ce qui concerne ce sujet-là. Annelle, merci beaucoup, beaucoup pour encore une fois tout le temps que tu nous consacres. Ce soir, tu as un nombre d'informations, une quantité d'informations assez incroyable que tu nous as délivrées. On ne le rappellera jamais assez, c'est très difficile de retranscrire tout le contenu de travaux qui sont compilés dans un ouvrage, en l'occurrence La déesse cachée, l'arbre de vie. Nous, on essaye modestement de faire passer une partie de ces infos-là à travers des émissions en vidéo. Je pense que ce soir, la densité d'informations est assez incroyable. Si vous nous avez suivis jusqu'au bout de cette émission, si vous m'entendez en ce moment, c'est que c'est le cas. Et merci pour le temps que tu as tenu à nous présenter tout ça. Moi, je suis assez fasciné par cette capacité que tu as à nous retranscrire à tes travaux. Donc, un grand merci. Et puis, tu parlais de cette émission sur les sirènes. Elle arrivera tôt ou tard, on prendra le temps de l'enregistrer elle aussi, et on va compléter ces informations. Vous aurez compris la manière dont s'articulent les dernières émissions qu'on vous a proposées avec Annelle autour de cet ouvrage, et encore une fois, je pense qu'il est nécessaire parfois de refaire des petits pas en arrière, de revisionner certaines parties, de relire certains chapitres pour faire le lien entre tout ça, et essayer de comprendre dans leur globalité les travaux d'Annelle, parce qu'ils sont assez j'allais dire fascinant, fascinant. Je mélange des mots, je fais des syncrétismes vocables. Voilà, c'est la fin d'enregistrement. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que tout ça, c'est super important. Encore une fois, on peut tisser des liens, faire des hypothèses
Tu l'as dit tout à l'heure, on est tous en droit de faire des hypothèses, faire des rapprochements, mais je pense que tout comme moi, les Nuriens, vous avez senti derrière les éléments que nous présente Anaëlle, l'importance de tout ça et à quel point c'est important de revenir aussi loin dans l'origine des choses pour essayer de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Donc pour tout ça, Anaëlle, un immense merci. Merci à toi Guillaume, merci aux Nuriens, merci à tous ceux qui prendront le temps également de se procurer la déesse cachée, que ce soit par eux-mêmes ou en le commandant auprès de leur bibliothèque locale, parce que c'est comme ça qu'on soutient des travaux qui sont aussi marginaux. Moi, j'ai bien conscience du fait que je suis soutenue par aucune institution et j'ai pas vocation à m'inscrire dans autre chose. Je suis chercheuse indépendante et je tiens à le rester. À partir de là, si vous voulez que des travaux comme les miens existent, et je parle pas que des miens, je parle aussi d'autres personnes qui sont dans les mêmes démarches, n'hésitez jamais à les soutenir en vous procurant leur ouvrage, parce que on le dira jamais suffisamment assez, l'industrie du livre, elle ne va pas bien du tout. Et la dématérialisation n'est pas une solution. On l'a bien vu après tous ces épisodes de disparition de traditions, d'ouvrages et de textes. Il n'y a qu'un seul moyen de les préserver, c'est en ayant des livres. Tout est dit. Amis Nuréens, on vous souhaite une belle fin de soirée. Anaëlle, je te dis à très bientôt sur notre antenne. Et puis, bah, quoi qu'il arrive, continue à lire, gardez les pieds sur terre, mais aussi un petit peu la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao tout le monde.